Ah yeah, c'est des morts. Oui, c'est des morts. C'est des manches. La dimanche, c'est moi. Bonjour à toutes et toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis désolé de vous avoir sucré la matinée qui était prévue sur Gran Turismo 3. En fait, j'ai eu trois événements en fait qui m'ont cassé dans mon agenda ce matin. La première, c'est que j'ai fait une grasse mat un peu trop prononcée. Je me suis levé vers les 10 heures. Alors que je m'étais réveillé une première fois vers 7 heures du mat en me disant merde, il est week-end, faut que j'en profite un peu. Je suis tellement bien endormi que j'ai rempilé 3 heures de sommeil. Au moins, je me porte bien. Deuxième truc, la communication avec la famille en fait, ce matin. Et le troisième, le plus emmerdant là par contre, les soucis informatiques. Je vois Windows qui me toque en me disant eh oh, mise à jour installée. Avec les retours que j'ai eu, rien que de vous en tant qu'ami diffuseur, vous avez eu des ennuis avec votre config. J'ai fait comprendre à Windows que sa mise à jour, il peut l'appliquer que la semaine prochaine, histoire qu'on passe un week-end à peu près peinard. D'ailleurs, information que je donne à chaud, je m'oriente plutôt sur le fait, et ça va justement rattraper l'incident de ce matin, sur le fait que je sois présent finalement demain. Qu'est-ce que je voulais dire? Que oui, ce qui m'a fait bidouiller pendant une heure dans la coulisse sur l'ordi, c'est mon logiciel Chatty qui permet de moi de capter le chat. J'ai eu un sacré pépin technique, j'ai pas compris comment du pourquoi d'ailleurs. Ça m'angoisse un peu, parce que ça pourrait revenir. J'ai une réinitialisation en fait de mon compte au niveau du Chatty par rapport à Twitch. Donc j'ai eu du mal à recoller les morceaux, le temps de reparamétrer, il y a largement une heure, comme c'est une usine à gaz, là aussi comme logiciel qui est vachement bien, hein, Chatty, je le recommande. Mais le temps de tout reparamétrer, de voir les 50 options, enfin les 50 panneaux d'options, voilà, il y a la matinée qui est partie sucrée, quoi, je suis désolé. Donc du coup, j'anticipe, je fais du Minecraft, puisque l'ami Nainonet Frobos m'a dit qu'il reviendrait sur ma chaîne à partir de 14 h. Et on s'oriente vers une après-midi complète de Vroom Vroom Camion. Et évidemment, il a vu que j'avais acquis les DLC, c'est-à-dire que j'ai 3 nouveaux états américains que je n'ai pas visités, évidemment. Je me laisse la surprise en direct avec vous. L'émerveillement des paysages. On va faire Vroom Vroom Camion, à mon avis, toute l'après-midi. Ah, allez, on se lance. Ah, il n'y a personne, j'ai vu zéro au compteur. Ah là 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 là, donc un peu de Minecraft jusqu'à 14 h, quoi. Oh, merci Slayer Douglas, bonjour. J'espère que tu vas bien, merci pour le relais de signal. C'est très gentil, merci de m'héberger. Voilà, donc j'expliquais mes petits soucis du matin, enfin qui en sont pas vraiment, je vous rassure. Mais ce qui fait qu'au lieu de démarrer à 9 h, je démarre à 11 h 30. Bonjour, jeune fan. Voilà, donc, vient de sauter, peut-être que je le referai demain après-midi, finalement, on verra. Ce que j'avais prévu ce matin, qui était le Gran Turismo 3, sur PS2. Et là, j'enchaîne tout de suite sur le Minecraft, parce que j'ai besoin d'un truc baba cool, quoi. Alors, merci à l'ami Poupon, qui a fait un direct hier, sur sa chaîne, en se basant sur mon serveur, où je me suis bien marré. Ça me fait bizarre d'avoir autant de visites en si peu de temps. Parce que j'ai eu Christella qui m'a diffusé sur sa chaîne. Et Poupon par deux fois en fait. Il m'a déjà fait deux soirées. Et Monsieur Poupon, lui, il prend le temps encore plus que Christella de visiter. Puisqu'il n'a pas encore tout vu. Enfin bon, bref. Mais c'est bien, c'est des moments de plaisir partagé, c'est cool. Ah, qu'est-ce que je fais? Je construis les casse-bas là, les. Ah, ce serait pas mal, tiens, je vais faire de la construction. On est relax, hein, on est entre nous. Hein. Oui, pour le coup, t'es à l'heure, FunFan, ouais. Avec tout mon bazar de ce matin. Ah, ça, c'est le paysan avec le chapeau de paille. Oh la vache. Ah, il donne des émeraudes si j'ai des pommes de terre. Le pire, c'est que des pommes de terre, j'en ai pas loin. Eh, on va peut-être tenter de commercer avec le marchand. Attendez, j'ai mon armure, moi, ouais.
Attendez voir que j'essaie de provoquer du commerce. Les pommes de terre, faut que j'aille vers les champs. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les mécaniques de Minecraft, plus vous commercez avec un villageois, par rapport à son métier, là c'était un paysan, un cultivateur on va dire, plus il vous propose d'offres. Il étale ses propositions. Il gagne en expérience de vente en fait. Et il peut étaler ses offres. C'est vachement bien foutu, ça encourage le joueur à faire régulièrement des échanges. D'ailleurs, quand je dois faire mon autocritique dans le jeu, je fais pas beaucoup d'échanges. Et j'ai tort. Parce que je pense que je peux... Je pense qu'à terme, il doit y avoir, je sais pas jusqu'à quel niveau de renouvellement ou nombre de propositions ça va au niveau des habitants, enfin des villageois comme on les appelle. Et je me demande s'il n'y a pas des trucs rares à acheter au tout dernier niveau. Je crois que le plus gros nombre d'échanges que j'ai eu avec un villageois, et je dis bien villageois, hein, je parle pas du marchand ambulant avec ses deux lamas, parce qu'il a toujours 6 propositions, lui. Je crois que c'était 3 ou 4, 3 c'est sûr. 4 je crois. Je crois que je suis allé jusqu'à 4 propositions pour un villageois. Bonjour Tunsen. Il faudrait que je retrouve le monsieur. Il est passé où le monsieur? Le monsieur au chapeau de paille. Oh mon dieu, j'ai l'impression que j'ai des nigos qui se coincent dans le système de canalisation. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais comment vous avez fait votre affaire vous? Bah. Mais vous êtes ma boule. Wouah. Eh, faut que je mette une grille, les gars, ils tombent dans le. Arrêtez de tomber dans le système de canalisation. Attends, je monte sur le nénuphar. Oui, les nénuphars sont solides dans Minecraft. Oui, mais barrez-vous. Ouah, je vais mettre des grilles, ça va pas. Ah, j'avais pas fait gaffe. Attends, je vais faire du commerce avec le... Oula, il se fait pousser par le golem. L'autre, il est obligé de monter sur son... Oui, je veux. On le voit monter de niveau là en haut. Ouais, d'accord. Je suis bête moi. J'étale mes émeraudes, j'étale ma richesse. Ah, sacré Tunsen. Non, moi les soucis que j'ai eu Tunsen, c'était par rapport à Chatty. Je sais pas si tu connais le logiciel. Mais en gros, il s'est réinitialisé ce matin. Et là j'ai flippé quoi. J'ai tiqué. Presque le fermier. Je suis presque à fond vis-à-vis de ses offres. Donc là, ouais, voilà, il est tout content. Est-ce qu'il m'en propose d'autres? Ah oui! Ah oui, oui, oui! Niveau validé. Oh, des citrouilles. Alors, c'est bête, les citrouilles, j'en ai pas ici. Par contre, j'ai commencé à cultiver sur ma plateforme. Enfin bref, j'ai fait des affaires, c'est bien. J'ai gagné 5 émeraudes. Je voulais quoi? Oui, je voulais mettre un système de grille sur la canalisation. Alors qu'on voit un matou errant. Oups. Alors, est-ce que... Oui, ça... Faut plus que je sois surpris du monde qui passe chez moi dans ma ville, là. Les habitants qui ont pris leurs aises. Est-ce que j'ai des grilles ici? Je me rends compte que non. Oui, je peux te connaître que oui. Ah oui, non, j'ai une notification. J'ai cru que c'était... C'est pas mal, ma reconfiguration de mon logiciel. Ça me plaît davantage. C'est mieux que la première fois. Pardon. Oh là là, ça y est. Je suis complètement patraque. Oui, bah les pommes de terre, hein, je vais les ranger là. J'ai pas de fer du tout. Oh merde.
Ah. Alors, ce que je disais à Monsieur Poupon, là, on sent le vide dans la baraque. Je suis en train de l'aménager. Et ce que j'expliquais hier chez lui, c'est que je vais pas tarder à faire une usine à colorants. C'est assez particulier d'obtenir les colorants dans Minecraft, et certains d'ailleurs sont difficiles à obtenir. Par exemple, pour le colorant marron, il faut que je fasse une usine, une culture de cacao pour écraser le cacao et j'obtiens la teinte marron. C'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, le rouge, je peux l'avoir avec les roses là, les rosiers ou les fleurs rouges, les pissenlits qu'on voit là. Enfin, les pissenlits, les coquelicots, pardon. Et que j'ai tout l'arc-en-ciel des 16 couleurs dans Minecraft là. Et encore, je suis même pas sûr qu'il y en ait 16, si je crois. Par exemple, le vert, et ben c'est du cactus. Le vert, il faut cuire le cactus. Bref, je m'en ferai une usine où je vais commencer à avoir pas mal de colorants. Ah merde, j'avais pas vu que j'avais des réserves là aussi. Oh, le gâchis, il faut le cuire, le fer. Ah, bah là, j'ai encore deux émeraudes, dis donc. Non, sérieux, j'ai pas de. Oh, je suis choqué de pas avoir de fer. Je vais aller dans l'autre bâtiment. Oui, bref, dès que j'aurai toute la panelle de colorants et j'espère en nombre, je vais commencer à faire ma Valérie d'Amido dans les bâtiments. C'est-à-dire que je vais faire du mobilier, je vais faire des trucs joliment colorés. Je pense que à l'horizon de Noël qui arrive, enfin je vois en moi, hein, je pense qu'il y aura, ce sera plus embelli, on va dire. Il y aura moins de vide. Ah merdoum, j'avais fait chauffer du verre, ce qui est très bien. Je sais plus ici, il me reste beaucoup de charbon ou pas? Mince, je donne un coup de hache au four. Pas. Ah si, ça va, j'ai quand même une rangée de 64. Hein? Oui, tiens, tenez, voyez? Voilà, là j'ai quelques teintures. Pour ceux qui connaissent pas le jeu. Alors la teinture bleue, je l'obtiens en broyant du lapis-lazuli, qui est un minéral qu'on trouve en sous-sol. La teinture blanche qui permet d'éclaircir et de faire des variantes comme du bleu clair en mélangeant du bleu avec du blanc. Le blanc, je l'obtiens en broyant des os, les os des ennemis, les squelettes. Ça fait une teinture blanche. Et voilà, je vais essayer de faire toute la palette, quoi. Oui, je vais carburer à la pomme de terre. Allez hop. Au moins, je suis tranquille dans les prochains jours de jeu. J'aurais pas de questions à me poser au niveau du miam, au niveau de la bouffe. Tiens, il y a même une étiquette ici, énorme. Oui, mais je repars sans mon fer, moi. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai des trucs précieux ici. Bah voilà, j'ai carrément des blocs de fer, c'est énorme. Ouais, je vais pas en faire 50 des grilles. Voilà, c'est ça que je veux, c'est des barreaux de fer. Oui, voilà, ça suffit. Voilà, je mets ça comme ça, c'est le boxon. Ouais, j'ai de ces trucs. Alors, si j'essaie de reconnaître la langue que je ne parle absolument pas, je crois reconnaître de l'espagnol. Dans la chanson, là. Voilà, je vais essayer d'installer la grille. Oh là, bonjour Adjay. Et je plouffe. Voilà. Ah. Alors. Oui, bah du coup, je vais mettre une grosse grille. Merdoum. Je l'ai placé pas là où il fallait. À la pioche, j'irai plus vite. Bon, ça va bien, mon cher Adjay, je te remercie. Je suis juste navré pour les raisons que j'ai expliquées en introduction d'avoir pris mon antenne qu'à partir de 11 h et quelques.
quasiment 11h30 d'ailleurs. Alors qu'à la base, je la prends à 9h, quoi. Mais bon, suite à des petites déboires cumulées, je démarre seulement maintenant. Par contre, la bonne nouvelle, hein, je me répète, là, visiblement, je suis parti pour être là demain. Non, j'aurais dû être absent demain, la journée. Et finalement, je devrais être là, je pense. Enfin, la probabilité, c'est pas sûr, mais la probabilité est assez élevée que je sois auprès de vous demain. Bon, avec ça, normalement, il n'y a plus de villageois qui devraient s'engouffrer dans le machin. Alors, honnêtement, ce qui pourrait se produire avec ma grille, les villageois, ils peuvent être évidemment petits quand ils viennent de naître. Ils font qu'un cube de taille, pas deux cubes. Et ce qui serait horrible, c'est qu'il y aurait un gamin qui s'engouffre sous la grille et qui reste coincé derrière. Ça pourrait se produire. Mais franchement, je comprends pas pourquoi les villageois se sont retrouvés là-dedans. C'était vraiment pas prévu. Donc là, je vous fais peinard du Minecraft jusqu'à théoriquement 14h. Non, bah non, les blocs, je vais les poser là. Ah, le chat. Qui a le chat? Artemis. Ça va, tranquille. Ah là, du coup, moi, j'ai pas de plumard. Je sais où est-ce que j'allais me pioter. J'allais me pioter dans la base. Oui, t'as raison, dos droit. Oui, je suis affalé sur mon siège. Merci, AJ. En gros, pas chat, gros pato. Voilà. Ça, celui-là, on le ship pas le lila comme par hasard. Ah là là, le plumard du bord de pêche, là. Eh ben. Oh, je vois les chevaux d'ici. Dans leur enclos. Excellent. Tiens, ça fera une capture d'écran. Mince, ah oui, mais. Ah, j'ai cliqué au moment où il se baissait. Enfin bref. Ah, soupir. C'était votre instant Kodak. Ah, malin, Jess, c'est bien. Je vois que t'as retenu. Bien joué. Malin, malin. Alors, en plus, c'est le genre de truc qui vous permet de vérifier le décalage. Je sais que j'ai un décalage maîtrisé, hein, c'est-à-dire volontaire, de 5 secondes. Mais après, je peux cumuler dans la durée. Ça peut patiner. J'en suis navré. Alors, tant que je suis là, c'est pas ce que j'avais en tête. D'ailleurs, on voit, faut que je peux continuer à faire de la végétation ici. Là, ça fait. Ah tiens, j'ai un jeu d'arbre qui a pas poussé. Oh, je m'étais pas rendu compte que le végétal avait refusé de pousser. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, que ça fasse un joli végétal. Ouais, il faudrait que je fasse un joli parterre de fleurs, là. Ouais, on va peut-être laisser la base en sable. C'est pas mal comme contraste. Ah, ils sont chiants, les Undermen. Ils me déplacent les blocs. Je sais pas d'où il vient, celui-là. Ah, ils sont... Qu'est-ce bon... Oui, ce bâtiment éventré. Ce sera... Oh. Je pense que je vais en faire un petit labo de test. Où je mènerai quelques petites expériences. Mais le pire, c'est que ce bâtiment-là, j'ai dû le mettre en place il y a peut-être pas un an. Attendez, on est quoi? On est à la fin de l'été, là. Je me demande si je l'ai pas, sans déconner, si je l'ai pas bâti au niveau des fêtes de fin d'année précédentes. Donc il aurait largement plus de 6 mois, le bâtiment. Mais ça, c'est tout moi. C'est la magie Minecraft, c'est l'idée de flâner. On démarre un truc d'un côté, on ne le finit pas, on en commence un autre avec plus d'enthousiasme à côté. Et du coup, je suis l'homme aux 10 chantiers ouverts.
Ah oui, c'est vrai que j'ai un nouveau cheval. Je sais même plus comment je l'ai appelé. Merde, tant pis. Bon, allez, on verra. Encore que je monte au bout, je monte si c'est pas gris poil. Je me trompe. Non, c'est café au lait. Ah bah bravo. Je les reconnais même plus. Non, gris poil en fait, il doit être à gauche et c'est celui de droite qui est plus proche. Qui doit être le nouveau. Qui est poussé par l'autre d'ailleurs, c'est marrant. Non, j'ai pas le... Attends, il ne dit pas son nom. Ah oui, Parnachon. Et voilà, gris poil. Parnachon, je sais pas comment ce nom m'est venu en tête. Ça y est, il est content, il va me voir. Ah. Aïe 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 aïe. Bref, qu'est-ce que je pourrais faire? Oserais-je dire qu'il pourrait potentiellement vous captiver dans le jeu? Non, j'avais dit que je ferais de la construction. Ouais, je m'en tiens à ce que je disais. Je vais construire le village. Là où j'avais les belles maisons jaunes. Et mon idée, en fait, au niveau de ces baraques jaunes. Ouais, le décalage est pas très grand. Ok, merci, Edge, pour l'info. Au niveau de la construction, je me vois faire. Bah, il faut voir, en fait, les maisons un peu comme des containers de camions, justement. Comme on va y arriver cet après-midi avec Nailonet. Voilà, les voir un peu comme des gros containers de camions, et il y en a que j'aimerais bien remettre dans, alors par-dessus, accumulé, et parfois dans perpendiculaire. Donc ça va faire un conglomérat assez sympa, et ça va donner de la verticalité à la ville sans que ce soit des gratte-ciel. C'est ça l'idée que j'ai en tête. Alors mon souci, en plus de terminer d'aménager les casbahs, les baraques. L'autre côté de la rue, là, il faudrait que je... Bah, que je prépare le terrain. Que je fasse une base plane. Et que je puisse cumuler... Oui, c'est ça, c'est 5 de... Ouais. Au niveau de la largeur des baraques. Et l'intérieur, j'avais fait comment? Ah, j'avais fait un sol en roche rose. Waouh, mais est-ce que j'ai ça sur moi? C'est là où je me rends compte que j'ai pas la ressource que je vais devoir aller creuser. Ouais, du granit poli. J'en ai pas beaucoup du granit poli. Ouais. Tant qu'il fait jour. Que je... Attends, c'est quoi ma pelle? Ah oui, c'est pas une super... Ah oui, ça va être un peu lent là. Je suis tellement habitué à avoir la super pelle qui déblaye quasi instantanément que là de me retrouver avec une presque normale, ça me bride, ça me bride. J'ai pas proposé, mais s'il y en a qui sont intéressés de bavarder avec moi carrément en vocal, c'est possible qu'ils se manifestent dans le chat et puis j'ouvre mon Discord. J'y avais pas pensé spontanément, là je pensais m'écouter de la zik le temps que tout le monde arrive, se manifeste. S'il y en a qui se voient bavard à l'approche de l'heure du déjeuner, j'ai bien évidemment rien contre. Ça déjà comme ça, ouais, c'est pas mal. Eh bien. Non merde, c'est dans l'autre que j'ai, ouais, que j'ai encore de la place. Oups. Là que je donne des coups d'outils sur les coffres. Bah du granit poli. Alors, je peux prendre le granit bot pour le polir, c'est vite fait. Par contre, je suis en train de constater que j'en ai pas tant que ça. Arf!
J'ai manque de ressources. Qui dit le petit Artemis? Qui dit? Le son poisson, lui. J'ai pas vu si j'avais du poisson dans mon... Ah, j'ai de la morue cuite, sauf qu'ils aiment les poissons crus. Ah bah, je suis un maître ingrat. Bon, pauvre, tu mangeras pas encore aujourd'hui. Mon Dieu. Ah là là. Tiens. Ah, dommage que j'ai pas repris le... Oh, ça, c'est un Underman. Faut pas chercher à comprendre. Quand on voit des trucs déstructurés qui manquent un bloc ou qu'il y en a un en trop, c'est un Underman qui a fait son... tristement son job de... d'emmerdeur, on peut le dire. Qui a démoli la construction. Ah, soupir. Voilà, là je fais le solde des casse-bas. Oui, mais attends, mon truc, du coup, bah oui, il y a que 3 dollars, je sais plus, c'est ça. Il y a un coffre que je suis pas allé vérifier. Qui est quasiment à considérer comme étant un coffre de chantier. Oui, c'est ça, me toi-même. Ah merde. Non, on peut pas dire que j'ai les ressources auxquelles je m'attendais. Bon, bah ça veut dire minage. De toute façon, ça va être la fin de la journée. Là, dans le... Donc autant que je mine de nuit. Ah ouais, je manque de la ressource. Va falloir que je privilégie et le granit. J'ai presque envie de dire la terre, parce que si je veux faire des trucs assez fleuris par-dessus le désert, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est de la terre qu'il faut, pas du sable. En plus que je me vois ici faire à proximité une culture de cacao, justement. Pour le... Et pour la bouffe, faire des cookies par exemple, ou qu'on appelle ça le collant marron. Ah là là. Voyons. Allez, tout de go. Merdome. On va aller creuser. Ouais, je vais prendre les profondeurs. Voilà, c'est ça qu'il faudrait que je creuse. Ouais, j'ai quand même des... Ah, pas mal. Ah, mi-étage, il y a des... Putain, j'ai encore du fer, là, que j'ai pas... Oui, c'est bizarre, j'ai fait un couloir intermédiaire. Ouais, allez, je commence à creuser par là. Pardon. Ah ouais, non mais là, j'ai plus assez de roches classiques, là ça va plus. Ah magnifique, je découvre du charbon, oh là là là. Bah là, allez hop, je creuse. Hein. Alors faut faire gaffe, normalement Minecraft on ne creuse jamais strictement à la verticale, sous peine de se prendre un truc qui est régi par la gravité en pleine poire.
Et si c'est de la lave, vous devinez que ce serait fatal. La dernière fois que cette erreur majeure m'était arrivée et que je l'avais commise, c'était pas cette carte-là. On voit quand même que je suis quand même un poil aguerri à Minecraft depuis toutes ces années. Mais... enfin, j'ai envie de dire même les plus grands se font avoir. Les plus grands joueurs. Mais... c'était dans une carte précédente et c'était dans les enfers. Les enfers, les règles sont pas les mêmes. Et la lave peut être quasiment constamment partout. Sinon, j'ai envie de vous dire, ce serait pas les enfers. Et... le stress. Le stress quand vous piochez dans les enfers. Ah, bon appétit. Ouais, bon appétit à toi, Fanfan. T'as bien raison. On va te restaurer. Moi, je vous avoue que je suis un peu décalé parce que... déjà, le fait d'avoir fait la grasse mat... d'avoir fait mes réglages, ma communication de famille là ce matin, comme je vous l'avais expliqué, j'ai grignoté mon petit déj, mes deux petits pains au chocolat, mais je me demande si mon dernier pain au chocolat, j'ai pas fini de le déguster juste avant de lancer à 11h30. Donc je vous laisse deviner à quel point je suis décalé au niveau du miam. Là. On va se lancer avec les camions à 14h avec. Avec Froboz et Honnête, là, que je vais me dire, merde, j'ai faim. Ça va pas le faire. Et puis c'est vrai que pour grignoter, j'ai quasiment rien à grignoter. Là, je suis condamné à me faire du miam. Donc, goops. Je sais pas trop comment ça va se... ça va se calibrer, le truc. Oui, c'est vrai que c'est un vrai souci, là. Du coup, il faut vraiment que j'y pense, parce que... j'y réfléchisse. Parce que c'est vrai qu'à midi, j'irai pas non à me faire des pâtes. Bon, je prendrai pas le temps de me faire un plat sophistiqué là, non. Je me suis acheté de quoi faire des poivrons farcis, mais c'est pas. C'est pas le moment. Oh, bonjour Poupon, comment ça va? Oui, bon appétit, merci. Vous du duo. Hop là. Oh merde, ma pioche, j'avais pas vu, elle va éclater ma pioche, faut que je la restaure. Je dois avoir une enclume. Ouais, je sais où est-ce qu'il faut que j'aille pour restaurer ma pioche. Parce que vu la barre de durabilité, là, qui est bien dans le rouge. Quand j'aurai pété 300 cubes, à mon avis, elle va gicler, là. Oula, faut que je mette de la lumière, parce que j'ai un ennemi qui va apparaître. Des pâtes, oui, mais des pâtes. Bah, les pâtes, oui, j'en ai bien envie. Surtout que c'est pas trop difficile à faire, mais. C'est le temps que je les déguste, je suis un peu gêné, quoi. Parce que ça va me prendre, je pense, au moins une demi-heure. Hein, je prends mon temps pour manger. Mais. Ouais, ça va être bizarre. Ouais, bon app, merci pour les explorations. Oui, merci. Oh, le courage, tu sais, je l'ai, c'est le week-end. Pour ce qui est de jouer, le courage, je l'ai. Bon app à toi, Solaire Douglas. Merci à toi. Bah oui, oui, je sais, les sucres lents, ouais, c'est sûr. Et même, j'en ai l'envie. J'en ai l'envie, là. En plus, j'ai quelques petits lardons à me faire rôtir, à me faire cuire. Avec un petit filet de crème fraîche, c'est... je poivre ça. Alors je sale quasiment jamais, de toute façon avec le lard, ce sera déjà salé. Si j'ai ça dans le bidon tout à l'heure...
Ouais, peut-être que je m'arrange pour. Attendez, je réfléchis. Si Nainonette me rejoint à 14h pour le camion. Merde, je voulais réparer ma torche. Je suis demi-tour. Enclume, enclume. Je pensais à deux trucs en même temps. Il faudra peut-être que je commence à faire chauffer mon eau dans 1 heure. Histoire que je puisse manger à partir de 13h30. Comme ça, je vous mets je sais pas quoi, peut-être encore un énième best-of de vous faire patienter pour ceux que ça intéresse de 13h30 à 14h environ. J'ai le temps de gober, enfin gober, non, je vais manger convenablement sans me presser, c'est le week-end. Mon plat de pâtes, et puis je vous rejoins pour le restant de l'après-midi à faire vroom vroom camion là. Alors, je poserai la question à Nainonette. Oui, c'est bien, j'ai 2 enclumes. Je poserai la question Nainonette tout à l'heure, mais je le soupçonne d'avoir espionné mon compte Steam, comme on est évidemment un compas sur la plateforme, on se voit mutuellement, et je pense qu'il a dû voir que j'ai fait l'acquisition du contenu additionnel. Enfin, en même temps, je me dis que je m'y étais engagé à le. Merde, c'est pas la bonne pioche que j'ai réparée. Je suis un abruti. Voilà. Merde, décidément, je recommence en plus. Non, 13, peut-être dans l'autre sens. Ouais, de l'importance de le mettre dans le bon ordre. Ça coûte moins cher. Logique Minecraftienne, hein. Je ne saurais même pas vous l'expliquer d'ailleurs. Ah, et oh, j'en ai encore là du granit. Putain, j'avais même pas vu. Ah bah tiens, mon fer a dû cuire. Nickel. Alors, je vais remettre un max de charbon. Et puis, je vais refaire encore un cycle de cuisson de sable pour que ça devienne des cubes de verre. Pas donc. Voilà, hop. Bah, le fer, il va être rangé là, voilà. Oui, donc le sable, le sable, le sable. 4 petits sables. Papapapapapapam. Yeah, puis c'est le début du jour, c'est plutôt léger. Et donc, ce qui. Bon, je sais que je m'étais engagé à le faire, mais je le soupçonne d'avoir vérifié sur mon compte. Je m'amuserais à lui poser la question cet après-midi, honnête. Et il a vu que j'avais acquis le contenu additionnel des camions, là, les 3 États, le restant de la côte ouest des États-Unis, en fait. Bah oui, c'est les. C'est. Oui, j'ai les textures par défaut, j'ai pas mis texture pack, pardon. Je serais peut-être amené à en mettre un, tiens. Moi aussi, je farfouillerais dans l'immensité. Enfin, je sais pas s'ils sont aussi nombreux que par le passé. Mais. Des textures de pack, enfin, des packs de textures, pardon. Il peut y en avoir, mais alors. Des centaines, voire des milliers. Ouais, j'irai peut-être de mon petit. Je mettrai peut-être un jeu de texture par trimestre. Tous les 3 mois, j'en changerai. Ça peut être sympa pour renouveler le décor du jeu. C'est pas idiot du tout. Ouais, tant pis, je fais un truc comme ça, quitte à faire une rue sur le côté. Rien que ça, déjà, c'est pas mal, franchement. C'est déjà une bonne base pour faire des maisons. Oui, pardon, Pompon qui nous mettait l'eau à la bouche. Perso, pizza ou pommes de terre, cuisses de poulet, j'hésite encore. Problème de nantis. Ah non. Ah mon dieu, c'est de l'art tech. Chaussons.
Eh oui, la Bella Sabla. Oui, bah elle va s'embellir sous vos yeux, la Bella Sabla. Parce que je vais essayer de reproduire mon schéma de Casbah, là. Oui, bah je peux y aller généreusement, allez hop. Oh, le bouclier m'énerve. De voir le bouclier. Bah, vous voyez quasiment pas parce que je vous ai fait une interface où vous voyez le chat en mini. What the f. Oh! Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour, petit Seb Live, merci. C'est gentil. Bonjour, j'espère que tu vas bien, petit Seb Live. Ton direct s'est bien passé, peinard. Et je t'avouerai honteusement que j'ai aucune idée sur quoi t'étais. Donc je fais mon curieux. Si tu acceptes de décliner sur quoi tu étais. Ouais, ça va, c'est bien. Oui, moi ça va, merci. Bah voilà, content d'être en week-end. Oui, mais elle sera au milieu des sables, mon cher Poupon. Elle sera au milieu des sables, au-delà de la. Voilà, ça restera le désert comme. Je voudrais pas dire, mais le désert, il est assez large, hein. On le voit à perte de vue. J'étais sur Evendust et j'ai fini bloqué. Ah merde! Alors, Evendust, je pourrais pas dire, je connais pas le jeu. Mais la frustration d'être bloqué, ouais, c'est pas cool. Et c'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Ouais, Bienvenue. ça peut m'apprendre un truc aussi. Non, moi, le fait d'être bloqué, c'est dans Tomb Raider 4. J'ai pas pris le temps d'y rejouer hors antenne, Tomb Raider 4, mais j'aimerais me débloquer hors antenne parce que j'ai beaucoup tourné en rond avant de capter le truc. Oh, Popenry Pop, bonjour. Bah, j'espère que ça va bien toi aussi. Merci à vous d'être aussi nombreux, surtout au moment de la pause déjeuner. Alors, c'est un peu comme Resident Evil, mais en vue du dessus. Ah! Un jour, peut-être, ce jeu pourrait m'intéresser. La manière dont tu le décris, petit Sep, c'est pas pour me déplaire. Ibi. La question est, est-ce que je fais des portes à ce niveau-là? Ça voudrait dire que je refais des maisons. Ah, ça pourrait le faire, je sais pas. Ouais, je verrai. Je vais d'abord murer bêtement. Tac, tac, tac. Et hop là, voilà, là je barre la case barre en deux. Tac, tac, tac. Ouais, c'est pas mal. Là, la vue, elle est pas top. Peut-être mieux comme ça. Ah, le golem. Oh, puis le golem et un chat ont déjà choisi leur future maison. C'est quoi ce délire? Je mets les portes côte à côte ou. Ouais, pourquoi pas. Au moins, voilà, je pourrais me dire, j'ai déjà posé la porte. Oula, 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 calmos. Oui, tant pis, je creuserai des fenêtres après. Alors. Non, mais oui, ça va, merci, Papa Marie Pop. Pardon, je suis seulement en train de te lire. Oui, j'espère que tu vas bientôt aussi. Ce que je fais, bah là, je suis en train de construire une ville, mais façon Maghreb. Enfin. Tel que je le vois, je l'imagine. Et là, je fais des petits baraquements, mais on voit que c'est longitudinal et assez compact, façon container de camion. Et je vais en mettre par-dessus, perpendiculaire aussi. Donc ça va donner un certain style. Je vais peut-être improviser des petites terrasses. Ça aurait son charme, vous savez, avec le cactus au milieu ou le petit arbuste qui pousse. Il faut aussi que je fasse un jeu d'escalier en colimaçon. Ouais, Maghreb de canard. Bien vu, Monsieur Poupon. Voilà.
Alors attendez, je redescends dans la rue. Bon là ça fait peur le truc. J'ai le mur qui est là. Ouais je sais pas, je peux mettre une fenêtre là. Ouais c'est pas mal qui donne sur la rue. Hop. Là je mets. Hop. Et voilà, ça fait. Ah bah là, eh. Bah voilà. Là j'ai un truc de 3 sur 3, ça va être un escalier. Je sais pas trop comment je vais le. Ah, il faudra que je mette des torches aussi parce que si la nuit arrive, ça va générer des ennemis. Je sais pas trop comment faire un semblant d'escalier en colimaçon. Et tac tac tac, on passera au-dessus. Faudrait que je commence même par ça parce que. Voilà, là où il y a une. Là où il y a une porte, je mets une torche au-dessus. Tac tac tac. Alors, torche. Quitte à ce que je mette plus tard que des lanternes, mais ça viendra ultérieurement dans le fait justement d'embellir les lieux. Voilà, qu'on n'ait pas de monstres qui apparaissent. On va essayer d'éviter. Ça prend forme, hein, petit à petit. C'est sympa. Là, je vais faire le toit. Mince, non. Non, faut que je prenne de l'orange. Bah les portes, tiens, je vais pouvoir les caser les portes, allez hop. Tant que j'ai les portes sur moi. Hop là. Oui, on voit en fonction que je clique plus vers la droite ou la gauche, la clenche est pas forcément au même endroit. Là d'ailleurs, je vais faire exprès de changer le... Voilà, je mets... Tac, je les mets en presque en symétrie, c'est intéressant. Alors, si déjà je me pointe là... Commence à avoir un air qui est pas pour me déplaire. Surtout qu'il y aura sûrement de la profondeur, ça va être une énorme rue. Vous savez, quand je fais la rue là, je pense à Hergé, Tintin et le crimbe aux pinces d'or. À un moment, Tintin, il est dans une ville au Maghreb, en plein désert, et c'est à peu près ça. Quand il fait la rencontre, je sais plus c'est quoi le méchant là, le Alban, je crois. Le navigateur. Le capitaine là qui a un mauvais fond. J'ai un peu l'idée là de comme paysage. Ah bah si tu veux papoter Jess, c'est avec grand plaisir. Attends, je vais t'ouvrir la vocale. Alors déjà là, je vais profiter stratégiquement qu'il n'y ait personne pour dormir dans un lit. Faut-il encore qu'il y en ait un de libre. C'est honteux, je vais même pas chez moi. Parce que je soupçonne que les villageois aient squatté ma villa. Oui, le chat, on t'a vu. Et je vais aller dans mon fameux lit de... Histoire de provoquer la fin de la nuit. Voilà. Attends, j'ouvre la vocale, mon cher AJ. Avec grand plaisir, bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Oui, j'ai eu un bug bizarre, tiens. Trop étrange. Oui, bien vu. Bonjour, mon cher AJ. Alors, pourquoi je ne t'entends pas? Minute papillon. Attendez voir. Je me remets la tronche 30 secondes parce que... Je vais couper la musique pour... Pourquoi j'entends pas AJ? J'ai encore un souci de son. Alors, minute papillon, je vous prie. Ah, je crois savoir. La question que je me pose, c'est est-ce que vous entendez AJ? Je dois l'avoir dans mes écouteurs, AJ, je pense. Alors, si tu m'entends, n'hésite pas à parler, mon cher AJ. Je crois que j'avais mis la sortie Discord sur mes écouteurs pour pas que j'ai un écho en retour de fou, quoi. Alors, tu m'entends très bien, sauf que moi, je ne t'entends absolument pas et je ne sais pas si le public t'entend.
Attendez voir. Alors, tu m'entends très bien, ça me rassure déjà. Ah, Delta qui se manifeste, bonjour. Bah, ça va, comme un week-end, tranquille, peinard. Je me suis fait une bonne grasse mat, du coup, entre autres choses, j'ai démarré super tardivement. J'espère que tu vas bien aussi, Delta. Merci à toi d'être là. Alors, tu dis non, on n'entend rien. Ok, merci pour l'info. Donc, vous n'entendez que moi, ce qui n'est pas normal. Attends, mon cher Edge, que je dépatouille tout ça. J'ai dû faire une ânerie dans mon son. Voix et vidéo. Alors, il m'entend. Tac, tac, tac. C'est bizarre, non? Vous devriez l'entendre. Vous devriez l'entendre. Ou alors, je le mets en voice meter. Là, je sais pas. Parle voir, s'il te plaît, Jess, si tu peux. Je suis là. Ah, là, je t'entends. Nickel, merci. Ah. Est-ce que vous entendez désormais, Edge? Coucou tout le monde. Mince, j'ai perdu mon chat. Je fais des mauvaises manips. Pop et Mary Pop me disait, et je la remercie, qu'on n'entendait que moi. Mais ça, c'était avant. Voilà, maintenant on me dit oui, voilà, Pop et Mary Pop et Delta confirment, on entend tout. Merci, vous êtes des chefs, vous êtes adorables. Merci tout plein. Alors, je remets mon interface peinard. Je vous évite de remettre ma tronche. L'âne de Nancy, oui, un peu de ça. Ah, puis ma webcam qui s'est figée, la vilaine. Ah, je suis posé, j'aime bien l'image fixe. C'est ce que j'allais dire en webcam un peu. Ouais, attends, je vais lui botter l'arrière-train. Et magie du démon, ça doit remarcher. Sauf que ça n'a pas l'air de remarcher. Bah, bah. Bah, alors, électroniquement, ma webcam fonctionne, mais c'est OBS qui me claque la porte. Oh non! Ah! Elle est capricieuse. Alors, on y retourne, excusez-moi. Aïe, 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 quel piètre spectacle que je vous offre, je suis navré. Donc, je peux remettre le petit fond de musique. Attendez, on va passer à la piste suivante. Oui, bonjour, cousin Rio. Merci du yop très rapide. Merci tout plein. Salut Rio. C'est ça, Poupon. C'est ce que j'ai fait. C'est de la provocation, effectivement, de désactivation, réactivation. Exactement. Ouais. C'est comme ça que j'ai pu reprendre la main. Merci du conseil, Poupon. Bah, ça fait sage, Delta. Ça colle avec la chaîne. Ça fait très intellectuel. Ah oui, j'avais pas vu le commentaire de Delta. Oui. Ah. Ah là là. Ah. Oh, je suis même en train de demander si la musique est pas trop forte par rapport à ta voix, Jay. Je suis à quel volume, moi, dans Winamp? Pardon, je refais sauter mon truc. Oui, je baisse un peu le volume de la musique là. C'est vrai que la Voilà. cam est encore figée. Ah merde! Mais oui, mais c'est vrai! Mais alors, pourquoi elle tient pas la charge? Oh, mais c'est pas possible! Attendez, on y retourne? Alors la vilaine? Qu'est-ce qu'elle me fait? Désactiver? Activer. J'en demanderai tant que ça à mon ordi? Est-ce que c'est fluide? Ah, il y a des latences. Oh, il y a quelque chose qui... Vous voyez, vous devez le voir vous aussi. Il doit y avoir des petits moments de gel au niveau de la webcam. Ouais, c'est vrai. J'ai l'impression d'être un vieux qui fait sa gym à l'EHPAD. Enfin, faut pas que je me marre parce que c'est ce qui va m'arriver dans 50 ans. Hein. Dans un demi-siècle, à mon avis, j'y ai droit. Ouais, c'est vrai, dans un demi-siècle, j'aurai 90 ans. Si j'ai la chance d'atteindre ce grand âge. Oh mon Dieu! Bon, on y croit. Hop là. Ouais, en mode Matrix. Ouais, bah ouais. Tu pourrais éviter les balles, là.
Oh mon dieu. Oui, bon app à tout le monde, hein, pour ceux qui... Ah ouais, bien, le steak, ça va, tranquille, cousin, bien joué. Oui, d'ailleurs, je... Oui, il faut pas que j'oublie qu'à 13h, il faut que je fasse chauffer mon eau de mes pâtes, parce que sinon, je vais manger décalé, ça va être une catastrophe. Que je me fasse du miam. Alors, donc, je vais faire le toit des casse-bas, on y croit. Je monte par où, gros nigo que je suis. Il faudra peut-être que je fasse l'escalier en question d'abord. Attends, mais non, mais il y a un endroit, j'avais... Mais oui, c'est là que j'avais dit que ça ferait l'escalier. Non, bah, je vais pas mettre de porte. On va voir que c'est une entrée libre. J'ai un autre endroit comme ça que j'avais prévu en escalier. Je crois que c'est tout au bout là-bas. Si je le mets... Bon appétit, poupon. Qui que quoi? Bon appétit, poupon. Ah oui, il a choisi son menu, il va faire son miam bon app. Oui, merci, peut-être passer poupon à plus. Bon app, merci, merci, bien vu. Alors, la musique qu'on entend, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a fait une performance. Mais vous savez, en public, dans les halls de gare, quand parfois il y a un piano à disposition. Ça me fait l'effet là. Attends, pourquoi j'ai mis le plancher, enfin le sol si bas que ça? Ah oui. Je me souvenais pas que j'avais creusé le truc. Mais c'est pas grave. Oh, il est pas lourd du golem. Je sais pas si vous l'entendez. Moi j'entends vachement bien l'oreillette du coup. J'entends le pom, pom, pom. Je réfléchis pour les escaliers en colimaçon. Ça va pas être de la tarte. En quelle matière je l'ai fait en plus? Alors là, le choix d'un point de vue architectural est d'importance. Pop and Repop nous dit je suis content, mon appétit est... Quoi? Ah non, mon application est bien prise en charge par OBS. J'avais 2-3... Ah oui, il faut que j'aille te voir, c'est vrai que tu fais bien d'en parler. T'as un tout nouvel habillage, mon Pop and Repop, je suis toujours pas passé te voir, excuse-moi. Ne désespère pas, hein, ça va pas tarder. Il faut juste que j'ai le réflexe de te faire un coucou et de me connecter à ta chaîne. Quand j'en ai l'occasion. Ça tient pour vous tous hein, qui êtes présents. J'essaye de tourner un peu dans ma liste de ceux que je suis. J'essaye de faire des coucous plus ou moins réguliers à tout le monde. Les escaliers. Ce serait pas mal d'escaliers en pierre taillée. Le problème, c'est qu'ici, la pierre taillée, je suis pas sûr d'en avoir des tonnes. Qu'est-ce qui me reste dans les écuries? Dans les écuries, j'avais pas mal d'éléments de construction. Ouais, j'avais carrément la pierre classique. Ah non! À ma grande surprise, j'avais pas tant de matos que ça, au final. Bah, mince, je suis en train de gamberger, parce que... Je les aurais utilisés. Ce serait là-bas au bout. Attends, je vais même prendre un cheval, ce sera plus rapide. Ah, je me souviens pas qu'il avait une telle barre de vie, Gripoil. Punaise, il est vraiment endurant. Tac, 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 tac. Voilà, le joli crâne, hein, pour ceux qui connaissent. Ah bah tiens, terre cuite jaune, autant que je la reprenne. Et là, j'ai pas des trucs en... Ah, en quoi je fais mes escaliers, moi? Quelle est la question? Là, j'ai du sable. Là, j'ai un beau bazar, mais j'ai des ressources intéressantes. Ah non, j'ai pas des trucs bien propres, bien... Oh, sniff! Alors que mon cheval essaye de se barrer. Et il va peut-être y arriver, merde.
Qu'est-ce que les bâtons viennent faire là? Ah non, je suis vraiment kikiné là pour le... Je vais être obligé de cuire de la roche pour de bon, quoi. Ah merde, mon cheval, t'es où? Ouh, gris-poil. Mais et il se barre vite, hein. Ah, le là. Oui, je présume qu'AJ est parti filer déjeuner, parce que je ne l'entends plus. Non, je suis là. Ah, d'accord. C'est juste que tu n'avais rien à dire. J'ai eu comme un vide, si tu veux. Je dis, tiens. Ne t'inquiète pas. Petite question, mais rapide, parce que tu es en week-end, et je sais que moi, c'était sacré les week-ends quand j'étais étudiant, enfin plus jeune, et j'aimais pas qu'on me parle de ma semaine d'études. Mais juste pour poser la question, il paraît que c'est la zizanie à échelle nationale au niveau du recrutement des profs. Et du coup, mon cher AJ, en ce début d'année, t'as déjà des profs qui sont absents de ton côté, qui sont manquants à l'appel? Alors, déjà, j'ai eu tous mes profs que pour chaque matière. Je les ai déjà vus au moins une fois. D'accord. Mais je sais que, bah, par exemple, hier, ma prof d'espagnol était absente. Je sais pas pourquoi. Oh. Mais c'était prévu apparemment. Ouais, là encore c'est autre chose. Mais il paraît qu'il y a certains établissements, ils n'ont pas tous les profs. Et il y a des cours qui peuvent pas être assurés, ce qui est grave, mais bon. Ah, soupir. Bah, moi de mon côté ça va. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Au moins t'as les conditions optimales pour préparer ton bac. Ah, la roche, la roche, la roche. Finalement, je vais peut-être prendre la roche là. Oui, bah merci d'avoir répondu à la question du coup, parce que ça suscitait ma curiosité en me disant est-ce que c'est vraiment si chaotique que ça. De rien. Ah là là. Oui, je suis le seul sur le serveur, je vois que personne ne s'est connecté. Ouais. Donc c'est bien, je peux faire passer la nuit. On va faire les escaliers. Alors, Pop and Repop disait, je suis dessus en fait. Donc pas de panique. Je n'ai pas encore fait de direct. C'est juste pour partager mon enthousiasme. Oui, bah tu fais bien, Pop and Repop. Tu fais bien. Pardon, je me gratte le nez. J'ai le nez qui me démange aujourd'hui. C'est bizarre. Alors, je vais réussir à poser mes petits escaliers. Ouais, je vais faire un jeu de contraste de couleurs. Ce serait assez sympa, je pense. Aïe, du coup là, ouais. Ah bah non, mais non, mais non, mais non, je suis bête. Non, elle saute pas la torche, justement, elle passe tout juste. Je suis un idiot. C'est moi, il faut que je mette ça. Et voilà. Voilà. Parce que là, oui, là c'est le toit. Ah ouais, mais. Je vais peut-être pas prendre la même texture pour dire que c'est une voie de passage. Ah bah, il teste. Merci, monsieur testeur. Et puis il se barre. Ok, génial. Sympa. Ce mec est un professionnel. Elle est bien bonne. Ah là 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 là. Attends, mais c'est vrai que c'est problématique. C'est trop exigu. Oh, attends, on passe tout juste. On passe tout juste. Alors, je peux mettre une barrière pour pas qu'on se casse la figure. Ça se tient. Eh, c'est pas mal, je trouve. Là, je pourrais mettre un coffre de service pour ceux que ça intéresse. Ou des curiosités.
Alors, des curiosités au sens large, hein, pas dans le sens point de vue panorama. Ouais, enfin, peut-être que je mette une petite barrière là, et puis. Ah, je me souvenais pas que j'avais fait un mélange de couleurs au-dessus, vous voyez? Ah, j'étais plus subtil que ça, dis donc. Pas mal. Ah, ouais. Mais je repense, hein, il y en a qui font des trucs magnifiques dans Minecraft. Il y a des artistes. Moi, à côté, vraiment, je me considère comme un petit joueur. Même si j'ai la chance d'avoir l'inspiration, j'arrive à générer des bâtiments. Je sais que c'est loin d'être le cas de tous les joueurs. Mais il y en a qui font de ces chefs-d'œuvre. Oh, c'est waouh! On t'est obligatoirement bouche bée. Ah bah tiens, j'ai un peu de terre cuite, c'est ce que j'avais ramassé de l'autre. Des autres coffres. Ouais, c'était ça que je prenais. Ouais, sauf que là, j'en aurais pas assez. À terme, mon agencement, ça va être un peu à l'Assassin's Creed. Hein. Il y aura moyen de faire des bonds, des sauts de toi en toi. Une précédente carte en famille, les années précédentes, je l'avais faite comme ça justement, et j'avais mon neveu et ma nièce qui se tapaient des délires justement à faire des parcours de Yamakasi là, si je puis dire, les gars qui font des sauts de furieux. Oui, le bêta testeur, c'est ça, Pomme Ripop. Non mais il était bien, l'homme au chapeau de paille là, si spontané. En fait, le mec, il le dit pas, il se fait passer pour un paysan, mais en fait, c'est un gars au bâtiment de France, le gars il contrôle, il vérifie immédiatement la conformité de l'architecture. Mais ça m'a fait quasiment l'effet là quand il s'est pointé. Ah là là, on va l'appeler Monsieur Contrôle Qualité. Ouais, qui est en mystère, ouais. Ah, je réfléchis. J'ai réfléchi. Là, j'en mettrais bien en tout de long par-dessus. Oui. Mais sur les côtés. Enfin, que là, il y a l'escalier, mais. Il faudrait que j'essaye de faire un aérien, un parcours. C'est pas évident. Il faut que je gamberge. Faut que je réfléchisse. Parce que il faut pouvoir passer. Et oh. Ouais, non, ça va peut-être pas forcément prendre la forme à laquelle je pensais. Ah oui, merde, elle a encore sauté. Mais c'est pas rassurant qu'elle tienne pas la charge, en fait. Dans le sens où. J'aime bien l'image figée. Dans le sens où j'en demande peut-être un peu trop à mon ordi, mais j'ai pas. J'ai moins de trucs branchés que par le passé. Ah, puis quand elle veut pas la peau de vache. Attendez, minute papillon, je vais débrancher un truc derrière mon ordi pour le soulager un peu. Histoire de libérer quelques ports USB. Bougez pas.
Ou alors j'ai un faux contact. Oh, je pense pas. Ah, maintenant j'ai de la tension dans mon cap de sourire. Pas bien. Alors. Non. Oh, peau de vache. Pourquoi elle veut pas la vilaine? On va y arriver. Le périphérique en lui-même me dit oui, je suis présent, mais OBS veut pas la prendre en compte. C'est quand même dingue. Ah, j'avais pas vu que j'avais un raccourci plus rapide. Ah oui, là, c'est peut-être comme ça qu'il faut que je procède en fait. Bon. Oh punaise, le compteur est 11 spectateurs. Merci à vous toutes et toutes d'être si nombreux. Je me laisse toujours surprendre par le nombre. Moi, alors. Ça va peut-être vous paraître débile, mais c'est mon estimation propre, j'estime que je dois avoir entre guillemets que 4-5 spectateurs, pas plus. Et de voir déjà le nombre de la dizaine atteint, surtout à cette heure-ci, je suis flatté. Donc merci à vous d'être là. Je m'attends rarement à autant de monde. Alors, donc on y retourne. Je vais essayer de... Le pire, c'est que j'ai une indication. Il faudrait que je prenne un miroir pour que je vous renvoie l'image de la webcam. Vous pourriez voir qu'elle a... J'ai deux indications. Un, le fait qu'elle est allumée en rouge et le fait qu'elle émet en vert. Et effectivement, quand vous perdez le signal, j'ai le signal vert qui saute. Donc le pire, c'est que j'ai l'info visuelle. Ah, je suis navré du souci technique. Bref, j'ai retiré la... mon système de capture de la console et mon imprimante en USB, histoire de soulager un peu l'ordi et qu'ils tiennent la charge dans l'USB de la webcam. Excusez-moi du peu. Donc, je me disais, je me fais une norme... Ouais, je vais tenter quelque chose. Je vais tenter... Attends, si je fais 1, 2, 3, 4, 5... Ah ouais, ça fait un truc complètement space, mon machin. Wow. Eh non, si je mettais du grès... Merde, je veux pas perdre le cube, l'argile c'est précieux. C'est vrai en plus, c'est précieux l'argile. Il faut aller dans la Mesa pour en récupérer ces blocs. Je suis déjà content d'avoir repéré une Mesa d'une bonne taille. Taille moyenne à grande. Mais si plus tard on se détecte un autre biome Mesa... Ce sera franchement le bienvenu, histoire qu'on puisse piocher à outrance dans les cubes de construction, en fait. Ah, je serais presque tenté de faire un truc plus grand que la normale. Ouais, qu'on distingue le... Si je fais ça... Oh. J'ai des idées qui me viennent à l'esprit, là, subitement. J'ai envie d'expérimenter des choses. J'ai envie de mettre, vous savez, au milieu un petit pilier. Mais un petit pilier, histoire de distinguer l'ensemble. Ah, merde. Elle tient pas la charge. Non, mais c'est symptomatique, en fait. Je suis désolé, Pomripop, mais c'est symptomatique... Ouais, c'est délirant, mais je vais faire comme ça, tiens. Je vais essayer d'intervertir l'USB. Ah, on n'est pas sur la scène de jeu, en plus. Comment dire, je suis nul.
Heureusement que vous êtes là. Non mais tu fais bien Pop and Repop et je t'en remercie, heureusement que t'es là parce que je m'en serais pas aperçu. Alors déjà je vous remets la scène de jeu. Attendez. Je vais désactiver la webcam et la rebrancher sur un autre port USB. Avec un peu de chance, ce sera plus stable sur un autre port USB que j'ai en façade. Faut que je boive un coup, j'arrive plus à éclaircir ma voix. Je suis de retour. Voilà, heureux David Olive. On y croit. Non, je vais pas mettre musique sur musique. Parce que c'est vrai qu'on peut se mettre de la musique dans le jeu, j'ai un tour de disque. Mais comme j'aimais déjà de la musique libre via Milan pour vous. Mais mince, je voulais un pilier, Je vais aller chercher mon pilier, vous allez comprendre ce que je voulais dire. Oui, Pop and Repop, merci, t'as raison. Mais en gros, j'ai déjà le diagnostic si tu veux. Mon PC est vieux. Ouais, il est où Stéphane Plaza? Mon PC est vieux et je reconnais que je suis en train de l'épuiser. La carte mère, elle a bientôt 10 ans, je crois. Si c'est pas déjà le cas, je sais plus. Je sais qu'à un moment, j'avais remplacé ma carte mère. J'avais eu un incident en 2014-2015, je crois. Et depuis, j'ai pas racheté de matos parce que j'avais pas besoin. Mon ordi fait son taf. Et c'est vrai qu'en USB, j'en demande un peu trop, quoi. Je dois avoir... de base, je dois avoir... 10 ou 12 ports USB. Et il est rare que j'en ai un de libre. Donc je tire un peu trop sur le... Sur le schmilblick. Alors j'ai dit pilier. On se concentre très... On se concentre. Un pilier en blanc. Pourquoi pas. On va voir. On va expérimenter ça. Oui, dans un quart d'heure, il faut que je chauffe mon eau pour le miam. J'ai loupé mon... Voilà, donc j'en reviens là où je voulais vous montrer alors que j'étais face caméra. Voilà, j'élargis finalement l'entrée de l'escalier. Et je me voyais bien mettre un pilier au milieu. Donc je ruse avec deux murets superposés. Eh, c'est pas mal. Il y a quelque chose. Puis c'est bien, ça attire le regard, on voit qu'on peut y aller. Il faudrait que je fasse pareil là-bas. Je ferai un autre escalier. Hop, je ferai un truc comme ça. Bingo. Avec la torche là. Voilà. Je sais même plus. Ah oui, j'avais peut-être... Ouais, mais là, mon truc, c'est débile. Je vais mettre une double couche de... Ouais, tant pis. Comme ça. Oui, c'est de l'orange hein, que je mettais. Ouais, il y avait quelque chose comme ça. Tac. Et tac. Voilà. Et je faisais comme ça. Voilà. Là, ça se tient. Ouais, c'est pas mal. Mmh.
Donc, si je continue, j'espère que je vais pas être bloqué d'un point de vue architectural à un moment donné, parce que si je me plante, oh, vu la hauteur, il faudrait presque que je rajoute des marches en fait. Et en bas, je marche. Ah non, je vais pas mettre la même matière. Eh, ça pourrait faire beau si je mettais du, bah comme ma façade de villa là en blanc. Je suis désolé, hein, je me tripote le nez, mais j'ai mon nez qui me démange ce matin, je sais pas pourquoi. Je suis désolé. Voilà. Et là, en fait, j'ai une première maison. Tac, tac, tac. Si je fais la baraque. Ouais, la porte d'entrée sera là. Original. Tac, tac, tac. Ouais, au niveau des fenêtres. Ouais, bah sympa la casse-bas. Les casse-bas, les sympas. Ouh, je sens que ça va me plaire ce que je suis en train de faire. Ça prend vie, ça prend forme dans des proportions qui me plaisent bien. Alors, je vais essayer de faire proprement, vous savez déjà, cet étage-là. Et j'en ferai encore un autre peut-être si... Et je ne m'exclus pas de faire des petits jardinets. Des petits cons, je mettrai un peu de sable pour un cactus ou un peu de terre pour un végétal un peu plus commun. Ouh, je sens que je vais pouvoir chiner en bas à droite. Moi, je crie au chef-d'œuvre. Oh mon dieu. Ah, je vais me péter les pattes. Ouch. Ah oui. Oui, oui, oui. Hop, alternance lumière, tac, tac. Sympa, une porte. Hop là. Tac. Et quand on est en bas, qu'on admire quand même l'effet que ça fait. On va se retourner. Il y a quelque chose. Il faut que je rajoute des... Ouais, ouais. Et honnêtement, je pense qu'un autre étage serait quand même bienvenu, mais à moindre mesure, plus éparse, qu'il y ait quelque chose de vertigineux, qu'il y ait une certaine verticalité. Vous voyez, quand on s'engage dans la rue, enfin déjà quand on arrive, on voit qu'il y a... Ouais, non, ça a de la gueule, ça me plaît bien. On dirait presque des villages qu'il y a en Espagne. Non, je dis des bêtises. Pas en Espagne. Mais c'est vrai qu'il y a un côté hispanique. Mais oh, c'est... Il y a quelque chose. Ouais, tu trouves sympa? Ouais, merci du commentaire. Mais, ah, il y a quelque chose. Avec de temps en temps une petite fresque comme ça en jaune classe. Donc ça, c'est de l'argile cuite. De l'argile. Oui, si, c'est de l'argile cuite. Ça fait mosaïque, ça fait un truc sympa, quoi, en déco. Oh, pas mal. Faut que j'en fasse d'autres, en fait. Et j'ai pas la matière que je voulais, qui est la matière blanche, là, comme ça. Je crois que c'est la diorite. Oh, où est-ce que je pourrais en trouver en masse, en nombre? La réponse par défaut, c'est un entrepôt, forcément. Heureux, mon cher fan. Oui, tu passes. C'est pas avec une diorite polie que je vais réussir à faire. Ah non, c'est de la laine blanche. Merde, j'y ai cru, mais non. Ah bah, de nuit, je vais aller... Ouais, allez, je vais aller miner un peu. Mince, je me claque la porte au nez. Je vais retourner un petit peu miner le temps de la nuit.
On va chercher la précieuse ressource, Rush Slayer Douglas. Et là, je suis en train de me faire une petite partie de Age of Mythology. Bien. J'aime beaucoup ce jeu. Non, c'est bien, faut que tu te fasses plaisir. Mais du coup, tu te le fais en solo contre l'ordi ou t'es en multijoueur avec des joueurs du monde entier? En solo, là. Ah, t'es en solo. Bah, j'avance dans mes constructions, Seigneur Douglas. Là, un instant, je venais d'exhiber ma première casse-bas en hauteur, là, un premier étage. Et ça présente bien. Dans les proportions, je m'en sors bien. Mon souci auquel je suis exposé, bon là je retourne à la mine le temps de la nuit pour récolter de la matière première, mais le souci auquel je m'expose, c'est de réussir à faire un chemin de circulation au niveau de l'étage supérieur. Là, ça va pas être de la tarte. Honnêtement, je sais pas encore trop comment je vais m'en sortir, comment je vais disposer les lieux. Bon app, Pop and Repop, merci d'être venu. A bientôt, merci tout plein Papa Gripop. Bon, pareil, il faudrait que je vous fasse vos pubs respectives de vos chaînes. C'est pas bien, je trouve que je le fais pas assez souvent. Que je vous mette en lumière les uns par rapport aux autres. Il faudrait que je fasse davantage de... Oui, ça a l'air compliqué, ouais. Bah, il faut garder une certaine cohérence et... Et c'est vrai que c'est pas de la tarte quoi, donc oula, c'est dangereux là, je suis en train de creuser un endroit où j'étais. Oups. Attends, mais comment j'ai creusé mon truc moi? Ah mon dieu! Je suis à la verticale de mon escalier d'accès. Assez de ressources. Il faut que j'en... Bah tiens, il y en a qui m'en font face. Oui, il faut être patient et ordonné et pas s'énerver. Oui, oh, il n'y a pas raison de s'énerver. Bah, Minecraft, tu peux t'agacer quand tu es en situation de domination, c'est-à-dire que tu te laisses déborder par les ennemis et que tu risques de perdre du matériel précieux que tu as sur toi. Ça, c'est des moments de rage dans Minecraft, mais en dehors de ça, normalement, non, ça se passe bien. Là, je suis en train de faire une partie avec le dieu égyptien, le Seth. Yeah, t'es contre Seth. Et donc, en fait, ça permet d'avoir des animaux qui combattent pour nous. Oh. Là, j'ai des hyènes, j'ai des gazelles, des singes, des girafes et des crocodiles. C'est bizarre, première vue, mais... Hop là. Ouais, j'en ai pas mal. Je pense que je vais pouvoir refaire surface. Je vais... Pour faire mon sol, j'ai pas mal de ressources. Là. Ça devrait me tenir en haleine bah, le temps que je sois avec vous. Jusqu'à 14h. Va falloir que j'aille faire chauffer mon eau. Je récupère les petits cubes voilà, que j'avais fait tomber.
D'ailleurs, ah non, j'en ai pas assez pour. Dommage. Ah, sauf si je. donne un coup de pioche là. Hop là. Nickel. Comme on dit, c'est pas perdu. Allez, dans 5 minutes, je vais chauffer mon eau. Là, j'ai fait une tour de stade. Yeah. Bien, bien, bien. Hop là. Ouais, bah oui, il faudrait que je me fasse une voie de circulation comme ça. Ah là 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 là, pas évident du tout qu'on y réfléchit, pas évident du tout, du tout, du tout. Arpé sur ça, efficace contre l'enchanterie. C'est marrant. Mmh. Ah ouais. Mmh. Une charge lourde. Mmh. Du coup, c'est un peu bête parce que j'ai l'impression que je perds le... À moins que... Parce que ça passe si je fais ça. Ah non, bah non. Je suis un ego. Aïe, aïe, aïe. Non, mon idée est pas valable. Ah, trop bizarre. Comment je pourrais faire? J'ai le cerveau en ébullition là. Je suis en train de d'imaginer comment, quelle est la meilleure combinaison de baraquements les uns par rapport aux autres. C'est... Attendez. Mes bases sont toujours en jaune. Ah, on entend le chat miauler. Mais... Non, c'est pas aussi simple que ça, mon schmilblick. Et on a entendu chamioler. Attends, faut que je prenne un peu de tout, en fait. Que je sois pas coincé. Mais où il est, le chat? Il est prisonnier d'une baraque ou quoi? Pourquoi j'entends miauler comme ça? Ah, il est peut-être dans le conduit de flotte, non? Ça pourrait arriver en plus. Ah mais c'est ça! Ah il est en train de se noyer! C'est pour ça qu'il gémit. Bah alors, Nunuche, qu'est-ce que tu fous dans le conduit de... Le chat est bloqué dans les égouts. Mais oui, mais barre-toi malheureux. Oh là là, je sens qu'il va y avoir des drames avec mon système de canalisation. Allez, barre-toi.
Aïe aïe aïe. Ah bah il doit être en sale état le pauvre. Bah ouais. Le matou qui se bloque dans les égouts. Franchement, en même temps, quelle idée d'aller là, quoi. Enfin bref. Ah, soupir. Il a rien à dire, l'architecte en chef, là. Oui, c'est vrai qu'il faudrait que je... Ah oui, doucement, l'autre, il me rentre dedans. Il faudrait qu'il me refasse des propositions de miam. Il faudra qu'on commerce, plus exactement. Ding 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 ding. Ah, comment je fais passer mon chemin, moi? Alors, je suis un saut de ninja. Oui, je l'ai fait façon Assassin's Creed et c'est passé. C'est stylé. Je viens mon bouclier qui m'agace. En plus, le fait de porter un bouclier, ça ralentit le temps que vous puissiez construire et poser des blocs. Ça peut paraître idiot, mais ça a son importance. Alors, tac, 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 tac. Voilà, là, c'est le sol d'une autre. Oui, ben non, je vais fermer les fenêtres là. Ils ont vu chez eux, les uns chez les autres. Le truc, aucune vie privée, l'horreur. Alors... Tac, tac. Allez, go. C'est bien ça. Je tac, ça fera une... Par contre, l'entrée... Ben non, l'entrée, j'étais obligé de la faire là. Faut que je fasse un passage par ici, moi. La blague. Tiens, d'ailleurs, je vais alterner. Je ne vais pas mettre en opposition les fenêtres d'un mur à l'autre. Ça va garder un petit aspect mystérieux. Ah non! Mais non, le chat qui remiaule! Il s'est rebloqué dans le... Ah non, il est là. Non, on va dire que le chat est en rut. Ah, ça miaule à tout va. Mais c'est la première fois que j'entends les chats miauler comme des fous, là. Bref. Attends, je me suis pas trompé? Non, c'est de l'orange. On est d'accord, je me suis pas planté. Je respecte mon schéma architectural. Mission warning. Tcha 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 tcha. Voilà, hop là le plafond. Faut-il encore que je sache cliquer là où il faut? Ouais, peaufinerai après. Donc du coup, ça me condamne presque à faire une passerelle de chemin ici. Et je passerai par-dessus... Oh, pourquoi pas? Ouais, c'est pas pour me déplaire. Allez, adjugé vendu. Attendez voir. Je vais faire ça. Merde, j'ai pas pris l'élément de construction. Ah, puis là, je l'ai dans le baba, parce que de la manière dont j'ai... Ouais. J'ai mis les deux pieds dans le... Dans le petit ruisseau. Et faire le chemin. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est d'observer un beau paysage pendant 2-3 minutes. Parce qu'il va falloir que je mette de l'eau dans ma couscoussière pour faire chauffer mes pattes, moi. Quel paysage est beau. J'ai envie de dire, en même temps, il y a de l'animation dans le... Dans le village, donc oui, il m'a vu le golem, il se disait, mais c'est qui lui? Je sais pas trop... Attends. Voilà, on va regarder le chat. J'essaie de vous mettre une vue intéressante, je suis désolé.
Attends, je reviens, je prépare mon miam, j'arrive, j'en ai pour 3 minutes. A tout de suite. Il y a des hippopotames et des rhinocéros dans mon jeu, c'est le bordel. Des hippopotames et des rhinocéros. Oh la vache, oui, effectivement, c'est le boxon. Le singe est parti au restaurant. Ah, peut-être, peut-être. Salut Twinsen et salut Nayoni. Oh là, il est déjà 10. Oh là là, le temps passe trop vite.
Ouais, je serais légèrement décalé, mais voilà. Ah bah, bonjour. Non, je fais pas la grosse commission, tu ne sais. Mais non. Là, c'est le contraire, je cherche plutôt à faire le plein. Bonjour, Nainonette. Oui, bonjour, je t'avais vu tout à l'heure sur mon chat, Nainonette, ce matin. Et je t'avais pas répondu, je suis désolé. J'étais en plein réglage technique. Voilà quoi, ça explique pourquoi j'ai bousculé mon programme du matin. Que j'ai pris mon antenne qu'à 11h30. Wally Wallou. Merde, il va faire nuit. Il faut que j'aille dans un plumard, moi. Oh. Non, 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 là, j'étais en train de préparer mon miam. Ouais, à partir de 40, moi il me faut une bonne demi-heure pour que mon eau chauffe. Oh, on va aller voir l'autre pièce là où il me chipe les plumards, les canayux. Oh là là, je crois qu'ils m'ont tous pris les plumards. Regardez-moi ce bazar. Il n'y a plus un lit de dispo. Il y a même le golem qui monte. Mais c'est quoi cette scène? Mais non, mais... mais non. Mais c'est horrible! Oula, il se passe des trucs. Il maîtrise la lévitation, le mec, là. Il est tellement sur le bord du lit. Lui, il est traumatisé. Le chat, il est traumatisé. Il est à l'angle, il dit, mais ils sont fous. Tiens, vas-y, va dessus. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, allez, poussez-vous. Moi, je veux un plumard. Allez, hop. C'est pas comme si j'étais chez moi. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, et oh, calmos. Ouais, non, mais ils sont fous, là. Ah non, mais c'est le caillon, ils font la mêlée comme au rugby. Ah, Minecraft, hein, voilà. Faudra vraiment que j'aménage mes pièces vides. Hein. Là, il y aura un salon plus tard, mais... ça va venir, les aménagements. Ça va s'embellir. Et pas mal de loin, la construction. Ça a de la tronche. Ça a de la tronche. Alors, tac, tac, tac. Il faut que j'essaye... Oui, non, mais t'avais bien raison de troller Nainonette. Je te comprends bien. Mais bon, voilà quoi. Non, le temps, franchement, à repasser une heure à faire le chatty. Alors, je regrette pas parce que là, tel qu'il se présente à moi, j'arrive à vous lire bien de manière propre, claire. Mais de manière plus agréable que précédemment. Mais voilà quoi, j'ai dû sacrifier ma matinée au lieu de jouer. J'ai fait différentes bricoles. Bon ça. Faut que je fasse un bord cohérent. Il faudra que je mette des barrières parce que c'est un coup à tomber. Pam, 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 pam. Oh la vache. C'est stylé, je dis oui. Et si je fais pas l'idiot, mon chemin, ce serait bien qu'il prenne différentes directions. Là, par-dessus le ruisseau, ce serait pas mal. Que je fasse une rue surplombant le ruisseau. Ça ferait stylé, je trouve. Alors, le sage, j'aurais peut-être un peu de retard pour la session camion. Je fais mon maximum pour réduire le délai. Prends ton temps, Nainonette. De toute façon, là, je me vois manger de 13h45 jusqu'à 14h15 au moins.
Je vais pas me bousculer, on n'est pas là pour ça. C'est le week-end, on se relaxe. Le temps que je charroure mes pattes, je vous mettrai encore une de mes compilations de clips. Que dire Et puis voilà, tu me diras quand tu seras prêt. Attends, comment je vais disposer mes baraques là? Comment je vais disposer mes baraques? Je sais, pas comme ça. Je sais, ça y est. J'ai presque la vision complète de mon truc. La motivation est maximale parce que il faut pas que je perde l'image que j'ai en tête là, à chaud. Non, je vais continuer comme ça. Tac. Je vais bien mettre une caisse bas par-dessus. Comme ça. Ouais, là, ça va être pareil. La fenêtre, elle va sauter. Il va pas leur rester beaucoup de fenêtres. Ah, merde! Oh la vache, ça va faire assez austère, je pense. Oui, oh la vache, le fond, ouais, c'est assez austère. Oups. Oh bah merde alors. Je recouvre la baraque. Enfin voilà, je fais le sol. Comme d'hab. Attendez voir. Je sais ce que je veux. C'est ça qui est magnifique. Tac, voilà. Là, je coupe le truc. Tac. Ouais, non, la porte, je peux la mettre là aussi. Ça fera un truc cohérent. Ouais, ça fera deux fenêtres, allez. Tac pour l'éclairage. Mais d'ailleurs, il faudra que je mette des éclairages. Mais là, ça manque de torches. Il faudra que je fasse une porte là. Quand je ferai la partie supérieure. En plus, j'imagine une arche à un moment dans la partie inférieure au sol. J'imagine, vous savez, une arche un peu à la gréco-romaine. Mais il faudra que je fasse un style. Dans les teintes là, avec des végétaux qui pendouillent en liane. Ça va faire un truc trop stylé. Ça va donner, vous savez, de l'âge à la bâtisse. Le truc qui a pris plusieurs siècles d'âge. Ça va faire stylé. Je vois une baraque là. On va voir si je vais pas un peu déborder là sur le muret du patelin. De toute façon, ça va être aérien, donc les villageois risqueront pas l'agression. Je m'en fais pas plus que ça pour eux. Attendez, tac, voilà, histoire de pas retomber dans la ruelle. Et je voyais le chemin blanc passer en coude devant là. Clac. Ah mais attends, mais il y a un truc qui va pas dans mon truc, je suis décalé. Ah, je vais mettre un petit truc de parc, je sais pas quoi là, de végétaux. Je vais avoir moyen d'embellir la voie de circulation.
Je vais mettre des cactus, des pots ou un truc du genre. D'ailleurs, je vais même tricher. Comme les blocs-là se verront pas, je vais tricher. Et je vais économiser de la terre cuite, de la... De la merde, de la... Pardon. Non, pas de la med. Cette maison en bouse, typiquement africaine. Non. Ah mais non, mais ça fait triple épaisseur, mon truc. Ouais, non, il faut que je le mette en jaune, sinon c'est pas beau. C'est vrai. Sinon, je vais casser mon... Et là, je mettrai du sable et je pourrais pas mettre de cactus, sinon j'aurais l'air débile. J'aurais l'air débile, puisqu'il faut pas qu'il y ait contact pour un cactus. Ah, je sais pas, je mettrai des fleurs. Je mettrai un truc de la terre, là, puis je mettrai un truc... peut-être des belles fleurs. Et là, comme ça... Alors, là où je me rassure, c'est que mon bide commence à gargouiller. Donc, je vais manger avec appétit. Ouais, donc là ça fait une entrée pour la casse-bas. Alors la casse-bas va être bizarre ici. Parce que si je respecte les proportions, on mazette. Ça va faire une rue presque en. Qu'on appelle ça en spirale. Vicieux le truc. Ouais, je vais économiser un peu de terre cuite. Je vais trichoter sur certains aspects, en fait. Là, j'ai bien le mur. Voilà. Non, mais n'importe quoi, moi. Ah ouais, alors là c'est la maisonnette du pauvre. Ou alors, je fais un truc élancé. Je fais un truc élancé un peu comme là-bas le semblant de minaret, là, la tour. J'ai entendu un bruit bizarre. Ah oui, non, j'ai... Ouais, ok, c'est le marchand qui buvait sa potion pour devenir invisible, c'est la nuit. Et je mets... Hop, je sais pas. Ou alors c'est vraiment une casse-bas modeste, ce que je ferai là. Ouais, tant pis, tronqué à cause de l'escalier, mais bon. Quand tu peux pas faire autrement. Tac, tac, tac. Ouais, c'est sympa comme ça. Je vais alterner le... Merdôme. Je vais alterner pas le merdôme. Mais pareil, les fenêtres. Bah, je suis content de vous montrer quand même un spectacle de construction où je suis assez rapide. Je suis pas trop mou, là. J'ai un bon rythme. Parce que je pourrais rester de longues minutes en réflexion à me dire comment je fais, est-ce que je fais ci, comme ça... Et il se passe rien. Mais là, je construis à une vitesse assez fulgurante. Histoire qu'il n'y ait pas d'ennemis qui se génèrent sur le toit. Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau, hein. C'est en train de prendre forme et de prendre vie. Moi aussi, je suis plutôt satisfait de ce que je fais. Wow, la vue plongeante sur la rue en contrebas. Mais j'ai un peu l'image, hein, je me répète, de RG Tintin. L'album Le Pince au Crabe d'Or, là, quand Tintin est dans le patelin du Maghreb, à la poursuite d'Alban, le méchant capitaine. Yeah! Ch'touk! Ouais, faudra que je pose une porte. Ah, pas mal, pas mal.
Ouais, il y a certains toits, il faudra que je fasse tomber des lianes de végétaux, on peut en greffer. Ça va donner des trucs assez sympas. Mais un petit peu, pas trop, il faut pas que je fasse une jungle non plus. Il me semble que le capitaine, il s'appelait Alan. Ah oui, Alan et non pas Alban. Exact, Funfan, Alan, ouais. Bien vu, bien vu. Ah oui, il faut que je mette une barrière là, c'est parce que c'est un coup à se casser la figure. Ouais, j'ai vu, bien vu, Funfan. Tu as parfaitement à l'aise, hein. Comme dit Wisebot, un ange passe. Tac, 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 tac. Est-ce que je mets du bois ou est-ce que je mets de la belle pierre blanche en barrière? Ah, la pierre bleue. Oh. J'ai mes têtes et je sais plus. J'hésite. J'hésite, j'hésite. Là, il y a moyen de refaire une pâtisse. Oui, là-bas, il y a encore un escalier. L'escalier, il faudra que je fasse en sorte qu'il soit joignable. Merde, j'ai quasiment plus de ressources. Incroyable. Oui, j'avais dit que je finirais mon bout de rue avec un bel éclairage stylé et tout, ça va le faire. Ah, mettre une barrière là pour pas tomber. C'est bien, on verra les gens qui arriveront dans le patelin. La vue va être meilleure que ce que je ne pensais. Ouais, je vais peut-être déborder un peu sur le. Attendez, ouais. Attendez, ouais. Hop, là, je mets une porte d'entrée. Oh, un poupon sauvage apparaît. Heureux. Oh, vilain zombie momifié. Ou le brigand. Les vilains du trutombe. Mettre une barrière là aussi, mais. Ah ouais, il y a quelque chose. Bah les pattes, là l'eau bout, hein. Les pattes sont encore dans le paquet. Mais l'eau bout, j'irai voir dans 10 minutes, ouais, à 40, j'irai voir si mon eau bout bien. Salut Chris Golgot. Oh Chris qui passe. Bonjour Chris. Coucou. Il a pas mis de son. Coucou. Ah c'est gentil de faire un coucou de passer. Bonjour Chris. Ah là 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 là. Alors, Nine Honnête nous dit, j'aime bien le pack de textures et shaders de stream de Poupon. Quand il est diffusé hier, j'ai voulu les mêmes. Ah ouais, non mais il a bon goût, hein, monsieur Poupon. Il a bon goût. Mais je planerai, alors, peut-être pas ce mois-ci, peut-être pas ce mois de septembre. Mais courant octobre, je regarderai honnêtement. Je regarderai les packs de textures. Et là, je pourrais faire chauffer un peu plus la carte graphique par rapport à l'hiver. Il fera moins chaud chez moi. Et je ferai pas cuire l'ordi, parce qu'évidemment je le ménage, hein. Je veux pas qu'il me lâche. Et pareil pour le jeu de camion d'ailleurs. Le jeu de camion, durant l'hiver, je vais monter dans la qualité graphique. Donc ça cassera un peu la monotonie de mes directs, où on va voir que ça embellit un peu plus. Ça me permet moi de vous renouveler d'une certaine manière le contenu, que ce soit pas trop... Tout le temps la même chose. J'essaye de ruser un peu, vous l'aurez compris. Attendez, je vais faire des fenêtres à l'habitant là. Parce que sinon c'est pas vivable. Tac tac tac. Ouais, sérieusement, là je peux faire une maison qui déborde un peu. Oh les vilains zombies momifiés. N'oublie pas le jeu concours pour mon anniversaire. Ha ha ha!
Oui, il faudra qu'on en reparle. Ma mémoire s'est quelque peu effacée. Sans offense. C'est tout moi. Hein. Ah là là. Mais oui, avec plaisir. Au moins, au minimum, qu'on se retrouve pour les anniversaires. C'est fort sympathique. Ah, il faudra que je mette un truc par-dessus le... Oui, oui, non, ça urge pas. Oui, merci pour le message privé. Et je vous lis en semaine, hein. Si je joue le week-end, les messages privés, je vous lis et je vous réponds en général en semaine. Et merci à vous, parce que je me laisse surprendre à passer pas mal de temps, et c'est un plaisir partager que d'échanger avec vous sur différents sujets, sur plein de trucs. Tiens, d'ailleurs, je rebondis sur un message que j'ai eu ce matin de Twins and Twitch. Attention à Steam, il y en a qui se font voler leur compte en participant à des tournois. Il y a des pirates qui ont réussi à faire des fausses fenêtres intégrées à Steam, apparemment, pour rejoindre des tournois. Et vous faites voler votre compte. C'est l'horreur. Donc, soyez extrêmement vigilants. J'en connais un qui va en reprofiter pour dire du mal de Steam encore. Bah, oui, mais enfin, bref. C'est un système qui est populaire et tout est, comment dire, c'est l'informatique, il n'y a pas de sécurité top, le risque zéro n'existe pas, voilà, pour faire simple, comme on dit. Et là, malheureusement, il y a des pirates malveillants qui ont réussi à mettre au point un subterfuge qui fait visiblement recette. Donc, c'est pas cool. Soyez prudents. Et donc Fun qui dit bizarrement Steam, ça m'étonne même pas. Dis-toi que ça peut aussi arriver sur GOG et autres. Bah oui. Mais les pirates, en fait, la logique elle est simple, c'est la rentabilité. Donc en fait, ils s'acharnent à trouver des failles, à les exploiter et à pâter le client, si je puis dire, leur future victime, sur ce qu'il y a de plus populaire. Évidemment, là où il y a de plus de poissons, je dirais le bassin où il y a de plus de victimes potentielles. Donc, dans ces plateformes de jeux vidéo en ligne, c'est Steam qui trinque parce que c'est la plus populaire. Pour les systèmes d'exploitation, c'est simple, vous le savez déjà. C'est Windows qui trinque, c'est pas Linux ou Macintosh. Qui sont pas infaillibles, mais c'est là où il y a le plus de monde et c'est là où on trouve malheureusement le plus de menaces informatiques, quelles qu'elles soient. Que ce soit des virus ou du hameçonnage ou autre. Malheureusement. Fun fan, pas objectif. Ça me tue, ça aussi. Oui, bah oui. J'ai envie de dire, heureusement que ça arrive pas à la concurrence, mais voilà quoi, faut faire gaffe. Le fait d'avoir la couronne de la plateforme la plus populaire dans un service donné internet. Bah, gare à ses fesses, quoi. Il y a intérêt à avoir une bonne équipe de concepteurs et d'ingénieurs, parce que sinon, c'est la fin, quoi. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Si je pousse la bêtise encore plus loin, Fun, tu accuses Steam d'être populaire. Mais tant mieux pour eux que ça marche, en fait. Steam, ils sont les meilleurs pour escroquer les gens et nous permettre de protéger ses clients. Mais... L'objectivité est morte en ce jour du samedi 17 septembre 2022. Ah là là. À 13h36. Eh ouais, non, c'est du roi de l'informatique. Hein. Mais bon, en même temps, c'est comme ça qu'on avance. Alors, attends, je vais reprendre les portes. Ouais, il manque différents briques de construction. Oui, alors la diorite, j'en ai quasiment plus. Mais ce sera pas aujourd'hui que je retournerai à la mine. Hein. C'est bientôt la fin du direct par rapport au Minecraft. Il faudra d'ailleurs que je regarde mon eau dans quelques minutes. Oh, mon pauvre Fun, t'es en train de te faire allumer.
T'as un retour de flamme assez violent. Le poupon. Ah là là. Ah. Au moins, c'est ce qui est beau de voir, c'est que vous êtes des passionnés. Mais oui, non, mais c'est vrai. Oui, oui. Ah, oh, bah finalement, je vais boucler ma... Ouais, c'est bien, je vais faire un tour au niveau de la rue. Ce sera pas plus mal, tiens. Oui, c'est factuel avec plein d'amour, bien sûr, Poupon. Non, mais je fais exprès de... De comment dire, de noircir les traits. Cette qui dit des jeux, des pros Steam et des anti-physiques. Bah non, sinon j'aurais pas des jeux PS2, PS1 en physique. Ok, c'était à mon père, mais bon, quand même. Faut abuser. Les jeux 3DS, je les aurais achetés sur le shop et pas en physique. Moi aussi, je préfère le physique parce que pour moi, c'est plus simple. Mais j'ai rien contre. Voilà. Tout le monde. Non. N'importe qui peut faire ce qu'il veut. Voilà. Tant qu'ils font pas chier le monde, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est aussi simple que ça. Poupon qui fait du masterclass. Voilà. Comme fan, je suis profondément physique avec Amourande, par exemple. Magnifique. Oh. En forme, Poupon, aujourd'hui. Waouh! L'humour est présent. C'est le gosse qui dit ça y est, j'ai compris. Et Fun qui dit faudra pas pleurer quand il y aura plus de physique et de boutique de jeux vidéo. Bah tant pis, hein, ce sera comme ça. Enfin, ouais, comme j'ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Si le physique veut disparaître, bah tant pis, c'est comme ça, on peut rien y faire. C'est pas le drame, ça va pas. Ça va pas te tuer non plus, quoi. Bah, à terme, là où je rejoins la théorie de Fan, c'est-à-dire par rapport à la loi cruelle du marché, on risque de se retrouver avec, alors, le plus tard possible, mais on risque effectivement de se retrouver avec carrément une boutique spécialisée par pays dans la capitale, voyez. C'est-à-dire une boutique de jeux matériels sur Paris pour ce qui est de la France, Madrid pour ce qui est de l'Espagne, etc., quoi, vous m'aurez compris. Là, je me réjouis d'avoir encore, et encore, j'ai pas vérifié depuis la pandémie, mais avant le premier confinement, j'avais 3 Micromania dans le Grand Nancy, plus ma boutique de Game Cash, je crois le nom, je sais même plus, où je trouve encore des trésors. Mais... Ouais, mais... Enfin, en même temps, on peut pas s'opposer à, on va dire, un tsunami latent, lentement mais sûrement, qui bouscule tout, qui est la transition technologique. Alors, oui, j'entends bien le discours de Fun, où je lui donne également raison, d'une certaine manière, mais ça, c'est le changement, en fait. Il faut réussir à accepter le changement. Mais c'est vrai que c'est tout un pan de marché qui risque de disparaître, hein. Il y en a qui ont pleuré la disparition du Minitel quand est arrivé Internet. Et il y en a, sans déconner, hein, il y a des années de ça, j'ai connu, étant ado, des nostalgiques du Minitel en se disant « Merde, ça va disparaître. Internet, ça a ses avantages. Oh, je viens de voir le villageois qui vient de cotiser au bac de comment on appelle ça, de compost. » C'est trop bien fait. Excellent. Mais bon, il faut pas refuser la modernité non plus. Voilà, bon. Non, Chris Galgot, pitié, pas de slogan politique, pitié. Oula, alors on a FunFat qui nous dit. Quand il y aura plus de physique, que tout le monde aura une seule boutique virtuelle sur toute console, et que tout le monde devra payer les jeux plein pot 70, on sera obligé de s'abonner à des Game Pass, ce sera triste. Alors c'est le danger aussi, oui, ça, bah oui, c'est ce qu'on étudie en économie, c'est-à-dire qu'il y a les situations d'oligopole et de monopole. Et effectivement, quand il n'y a plus qu'un seul marchand pour un marché donné, évidemment, il est roi, il fait les prix qu'il veut. Si on arrive dans le dématérialisé avec ça, c'est sûr que ça craint. J'ai bon espoir qu'il y ait toujours de la concurrence et qu'il y ait au moins, au minimum, strict minimum, deux blocs qui s'affrontent.
Peut-être que plus tard, les deux seules plateformes qui vont subsister, ce sera Steam contre GOG. Il y aura peut-être plus de Xbox Shop ou de PlayStation Store. Allez savoir, c'est... Enfin bon. Comment dire, mon escalier il m'arrange pas trop parce que ça veut dire que va y avoir quick sti chemin. Il faut que je rebrouche chemin là littéralement. Moi en train de constater que mince, il faut que ce soit la rue là. Donc la rue elle va être comme ça parce que ça va être quick. Voilà. Bah oui. Oh, faut que je regarde mon eau. Pour ce qui concerne GOG, j'ai rien vu. Oui, bah oui. Va falloir que j'aille voir mon eau. Oui, donc là, j'avais dit il y avait trichure. Comprenez que je trichote sur le... Au niveau de la casse-bas. Mais non, mais c'est pas la bonne couleur. Je dois mettre un mur jaune, là. Quel abruti je fais. Ouais, peut-être que l'entrée sera là, tiens, ce serait sympa. Ouais, ça fera équilibre au niveau des portes, bonne idée. Ah. Oula, il y a beaucoup de messages. Je vais repartir dans l'ordre. Nayone, il y a des boutiques diverses et variées pour le démat Steam. Oui, c'est vrai, comme par exemple, je prends l'exemple de Lego World, que j'ai eu il y a quelques temps, pendant mes vacances, en... comment dire... C'est une boîte physique, avec dedans une carte, enfin, une clé Steam, un code, pour télécharger le jeu. Oh. J'ai pu faire ça. Eschitofun, enfin, FunFan, Steam égale Goliath, moi égale David, on sait comment ça a fini. Non. Oh. Le Game Pass ou le Ubisoft Plus, ça me fait l'équivalent de 3 jeux AAA par an pour une multitude de jeux dispo. Économiquement, pour l'instant, cela m'avantage financièrement. Alors oui, c'est vrai, j'ai un ami qui a le Game Pass et... Franchement, il m'a dit plusieurs fois, c'est rentable. Ça fait beaucoup d'économies. Nayone, pour ce qui concerne GOG, j'ai rien vu. Ouais, j'ai pas vu de problème non plus récemment. Prince Golgoth, le seul truc relou je trouve au démat, c'est que tu peux pas vendre ton jeu, surtout quand tu le prends Day One et 6 mois plus tard il est à moitié prix. Ah oui. Paye plus cher et tout, mais tu peux pas le vendre pour essayer de regagner un petit peu d'argent. Poupon, et combien de jeux indés ne seraient pas parvenus jusqu'à nous sans ces plateformes? Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Il y a plein de jeux indés qui sont que sur les plateformes en ligne. Et parce que c'est, ça leur permet d'avoir un maximum de visibilité au milieu. C'est sûr. Ensuite, Chitofun qui répond à Poupon. Ce qui n'est pas normal, c'est que sur PC, quand j'ai acheté le jeu Duke Nukem Forever, quand j'avais mon CD, je ne pouvais pas l'installer sur mon disque dur, j'étais obligé de passer par la plateforme Steam parce que 2K. Bah, après, ça, c'est une histoire de partenariat entre les sociétés. Donc c'est pas vraiment la faute de Steam, c'est juste qu'ils ont fait un partenariat, et donc 2K en profite. Poupon qui répond à Chris Golgoth, pareil pour une voiture, tu la payes plein pot, tu sors de la concession, tu fais 50 bandes, tu reviens et te la reprennent à 50%. Alors ça je sais pas, j'ai pas le permis, mais j'imagine. Non mais le pire c'est que l'idée est là en fait. C'est vrai. Nayone, à la limite pour le démat, on loue un consommable de la vie. Oui, techniquement, c'est ça. C'est vrai. Tu as bien résumé la situation. Poupon qui répond à FanFan. La vie, c'est pas juste. Désolé pour la nouvelle. Bon, je vais aller voir mon FanFan qui répond à Poupon. À quoi sert un CD si c'est pour te mener sur une plateforme virtuelle? Bah, c'est un autre moyen de vente.
Mais à chaque fois, les commerciaux essayent d'explorer de nouveaux moyens de vente, que ce soit CD pour aller sur une plateforme, CD physique pour aller directement dans une console, ou le dématériel total. Nayone, je reviens sur ce que je dis en résumant. Steam, il y a plusieurs magasins, et pour GOG, un seul. C'est vrai que je n'ai jamais trouvé de clé GOG en physique, dans une boîte physique, pour, dans un magasin. Steam, oui, mais pas GOG. Je vais jamais réussir jamais finir à lire. Fan, ce que je reproche à Steam, c'est de se servir d'un support physique pour proposer le virtuel, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à tuer l'éditeur CD sur PC. Ils sont populaires, ok, mais tuer, c'est quand même un grand mot. Il y a forcément encore des gens qui utilisent du physique, et plus que 3, je pense. Poupou qui répond, Fan, le support n'importe peu, l'important c'est l'œuvre et le voyage qu'elle propose. Merci Poupon de ce commentaire qui est réaliste. Chris Volgott, le jour où on peut vendre les jeux des matchs, je passerai direct en cours des matchs. Et pourquoi pas? On n'est pas en constante évolution au niveau technologique, donc pourquoi pas un jour? Et enfin, Fun qui répond à Poupon, le problème c'est qu'admettons qu'à la plateforme Steam disparaisse, mon CD ne sert plus à rien. Oui, c'est vrai. Mais tu peux le trouver sur d'autres plateformes. Donc c'est pas gênant. Bon, c'est tout le. Oui, merci, un grand merci à toi, Edge. Pour avoir tout lu, j'ai entendu à moitié depuis ma cuisine pour vous dire que c'est bon, là je vais cuire mes pâtes, donc dans 10 minutes je vous mets la compile des clips pour vous faire patienter le temps que je me restaure. Je change complètement de sujet, j'en reviens à la cuisine rapidement. Je sais pas si ça arrivait à certains d'entre vous, mais moi ça m'a fait bizarre, avec l'été qu'on a eu vachement chaud et parfois moite, j'ai mes cubes de, vous savez, de bouillon de flotte, là, les Knorr et compagnie, là. Les cubes de sel et de graisse bouviante que vous mettez concentrés dans la flotte. Eh ben, j'en ai certains. À la base, j'ai une boîte de rangement Tupperware où je les cumule, soit les boîtes commerciales quand je ne les ai pas inaugurées, soit individuellement les bien emballés, les petits cubes. Eh ben, figurez-vous que je me suis retrouvé depuis 3 semaines. Ils ont, alors c'est pas qu'ils ont tourné, mais ils se sont ramollis, ils ont changé, ils sont comme quoi il a fait tellement chaud, je sais pas comment dire, ils sont devenus flasques en fait, ils sont plus secs, ils sont devenus flasques, trop bizarre. Trop bizarre. Le côté de la moiteur, la chaleur qu'il y avait dans ma cuisine à un moment donné, avec l'été qui était imparable, en fait, j'ai les cubes qui se sont dégradés, on va dire. Mais ils gardent leur qualité nutritive. Hein. Là, j'en ai goûté il n'y a pas si longtemps que ça, ça passe très bien. Et je serais curieux de savoir si vous, ça vous est arrivé. Ce qui ne vous empêche pas, évidemment, de continuer à échanger entre vous sur le démat matérialisé du jeu vidéo, là, bien sûr. Mais je tenais à vous en faire part parce que moi ça m'a choqué. Enfin, ça m'a surpris. J'exagère quand je dis que ça m'a choqué. Alors, Poupon qui répond à FunFan, fais un sondage, la grande majorité des gens que sur le démat, et je répète que je respecte ton point de vue. Oui, parce que le démat c'est accessible tout de suite. C'est comme ça, c'est direct en fait, c'est plus direct pour les gens. Parce que les gens maintenant ont la flemme de se déplacer dans un magasin. Mais oui, c'est plus direct. Alors merci, j'ai bien rigolé de la vanne de Monsieur Poupon sur mon histoire de cube de cuisson là. Et Chris qui me confirme qu'il a eu la même mésaventure. Merci, ça me rassure de me dire que j'ai pas été seul dans le cas là. Comme quoi. Néoné, la seule chose que je trouvais bien avec GOG, c'est que Steam, il y a des DRM de merde. Les DRM, qu'est-ce que c'est ce truc? Alors les DRM, c'est quoi les DRM?
Les DRM, en fait, c'est une protection électronique dans ta copie de ton programme. C'est pas forcément propre aux jeux vidéo, hein. Ça peut être pour les programmes professionnels, les progiciels, comme on dit. Comment t'expliquer ? Les DRM, c'est une protection anti-copie. Il y en a beaucoup dans les fichiers musicaux, tu sais, que t'as acheté dans le commerce en dématérialisé, pour que tu puisses pas en faire la copie à quelqu'un d'autre sur un autre ordi. Ah d'accord, ok. Ouais, c'est une protection logicielle en fait, pour éviter le duplicata non autorisé, si tu veux. La copie pirate, voilà, tout simplement, éviter la copie pirate. Voilà, Digital Right Management, dit Poupon. Voilà, il donne la véritable signification de l'acronyme. Ah oui, ok. Digital Right Management. Déjà, ouais, avec comment dire, décryptage de l'acronyme, j'aurais peut-être compris. J'aurais peut-être compris tout de suite, mais merci de ton explication, Sam. Non, je t'en prie. Je vais perdre le stream. C'est bon. Le chat. Bon, je vais reprendre là. Shitofun, de toute façon aujourd'hui on t'oblige à utiliser un ordinateur, il n'y a qu'à voir au niveau administratif, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir une personne dans un guichet. Alors ça, oui, je te rejoins là-dessus, FunFan. Beaucoup, enfin, quasiment tout, se fait par internet maintenant. Et je prends le cas de mon lycée, c'est pas toujours mieux. Mais oui. Mais après, faut voir. C'est comme ça, c'est l'évolution, on pourrait pas trop rien y faire. Les gens recherchent la facilité aujourd'hui. Et pour beaucoup de gens, c'est plus facile de faire pour internet. Après, faut s'habituer. Alors pour les administrations, il y a une raison de coût. Ça coûte moins cher et il y a éventuellement moins de fonctionnaires malheureusement qui sont embauchés. Mais en plus, il y a une barrière d'un point de vue du public. C'est terrible, mais il y a un avantage par rapport au risque d'agression. C'est malheureux. Alors, ça se déshumanise. On prend de la distance à ce niveau-là, et on finit par faire face qu'à des interfaces informatiques, et non plus à l'humain. Mais, enfin, c'est un vaste débat, là aussi. Mais c'est pas seulement pour des raisons de facilité. Alors, excuse-moi, EJ. Mais tu parles parce que t'es à ton avantage, tu dis c'est plus facile de faire par informatique. Pour toi, oui, parce que tu es né dans ce monde-là, c'est quelque chose qui t'est familier, coutumier. Tu demandes déjà à ceux de l'ancienne génération, je pense par exemple à la génération de Monsieur Poupon, et encore Poupon, lui, il est du métier, donc il a la chance d'être touche à tout, de réussir à suivre le mouvement, on va dire, à être dans l'air du temps. Mais il y a pas mal de nos anciens, pour parler de manière générale, qui sont en panique ou qui boudent, qui catégoriquement refusent cette évolution technologique et qui font la nique, comme on dit. C'est-à-dire qui refusent d'interagir avec cet outil et qui essayent de forcer en disant « je veux de l'humain, je veux le format papier, je veux pas le format numérique ». Ce qui est justifiable quelque part, Et c'est loin d'être une question d'âge, parce que je dis nos aînés, nos anciens, parce que c'est eux les plus nombreux à être potentiellement réfractaires de cette évolution technologique. Mais il y a des jeunes. Moi, je me souviens quand j'étais en service dans un établissement scolaire pour l'informatique, j'étais tombé sur un jeune de 18 ans. Il fallait pas lui mettre un clavier entre les mains. Franchement, il réagissait mal. Il disait non, vous me donnez le format papier, moi l'informatique, j'en ai rien à péter. Alors ça m'a surpris, mais comme quoi il n'y a pas, voilà, c'est pas forcément une question d'âge aussi, le fait d'être réfractaire aux nouvelles technologies. Mais il y a une forme de marche forcée, bon, c'est bon. Il y a des avantages, des inconvénients, on peut faire vaste débat. Bon, excusez-moi, je vais couper Minecraft parce que je vais miam. Je vous remercie de votre présence, je ne ferme pas, je ne coupe pas mon signal. On va peut-être revenir sur du Minecraft tout à l'heure si Nainonet n'est pas prêt pour le camion. Je vais vous offrir encore une énième compile de clips. Alors là, je vais repiquer un peu dans les anciens clips.
Et mon pauvre AJ Club, je te remercie, mais du coup, je finirai, quand j'aurai lancé les clips, à te fermer la vocale, puisque ce sera un moment où justement on va rigoler sur les clips. Voili, voilou. Pas de soucis. J'étais bien en tant que lecteur, mais c'est pas grave. Tu étais parfait, je te remercie. Mais bon, là, comprends, j'allais me restaurer, puis en même temps, je pourrais difficilement... Enfin, je vous fais évidemment tous confiance, on est en petit comité, mais par principe, je suis censé rester maître de mon canal, et c'est pas en déjeunant que je vais pouvoir faire ma modération. Alors, je sais que j'ai l'ami FunFan qui est là pour faire le nécessaire, mais bon, c'est... Qui que quoi ? Pourquoi il boude, monsieur Poupon ? Il est fâché, monsieur Poupon. Qu'est-ce que j'ai dit ? Mais non, mais je t'ai... je t'ai pas traité de vieux, Poupon. Mais non, pardon. Non, mais c'est vrai que tu es le doyen de l'équipe. Bisous tout plein. Non, pardon, mais non. Je me serais pas permis. Mais oui, je présente simplement mes excuses à Poupon 29. Mais... Comment dire Non, mais c'était l'exemple parfait en plus que t'incarnais, Poupon, c'est vrai. Par rapport à mon propos. Mais la jeunesse n'a pas d'âge, comme disait Pablo Picasso. Voilà, j'en perds mon latin, je ne sais plus. Ah là 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 là. Voilà, bon allez, je vais mettre la compile des clips. Attendez, je coupe le son. À plus tout le monde. Ah oui, à plus. Encore merci hein, pour ta présence et la lecture, mon cher Jay. De rien. Alors, plaisir. Il faut que je me retrouve dans mes tuyaux, comme on dit, là au niveau de la chaîne. C'est là où je vais avoir des pattes circuites, ça va être la panique. Poupon qui dit qu'il est parfait. Mais oui. Après, l'objectivité, c'est la modestie qui est morte en ce jour du 17 septembre 2022. Oh non. De rien, Poupon. Allez, je vais pas mettre forcément une compile récente. Ouais, je vais mettre celle-là. Alors. Tac, 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 tac. Oui, bon. Bref, voilà. Il a un an. Ouais, que sommes les 14h. Je sais même plus comment je fais, moi d'ailleurs. Bah, je vous mets la compile, à tout à l'heure. Merci tout plein. À plus. À plus.